Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des Chers Players dont j'ai pas le numéro parce que je sais pas laquelle sera diffusée avant laquelle ou après laquelle, on s'en mêle un petit peu les pinceaux. En tout cas, je suis avec Nico Augusto. Salut Nico, comment ça va? Salut Yannick, ça va très très bien. Merci à toi Herman de m'inviter à nouveau sur votre chaîne. Et puis on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur sur la chaîne des Chers Players parce que c'est un peu là que ça c'est mis au monde au final. Ouais, ben au final, ouais, c'est sûr que bon, on va parler donc des Saisons du Paradis pour une interview exclusive en langue française, hein, si Exactement. donc bon, après c'est vrai que comme nous sommes amis, ça facilite les Ça choses. facilite. Mais voilà, donc en préambule, j'aimerais donc faire deux petits disclaimers. Le premier, c'est que comme on enregistre par Skype, on aura du mal à avoir une qualité audio aussi propre entre guillemets que quand vous avez les émissions avec Roman, etc. Donc excusez-nous s'il y a des différences de niveau entre ma voix et celle de Nico, ça reste audible, donc pétez pas trop les burnes pour commencer. Deuxièmement, un peu plus sérieux, je vous renvoie à l'émission Comment faire un jeu vidéo qu'on avait fait sur la chaîne des Sharp Players avec Nico Augusto. Et ça peut être la partie 2 de cette émission qu'on fait aujourd'hui, puisque la partie 1 c'était vraiment tout ton parcours. Donc, comment c'était venu l'idée, on en reparlera un petit peu ce soir plus brièvement, de faire ton jeu vidéo, ton aventure aux États-Unis. Et à l'époque, c'était un peu dans une impasse. Cette émission a permis, on peut le dire, hein, que c'était cette émission qui a peut-être permis à ce que le projet renaisse un petit peu de ses cendres. Et aujourd'hui, un an et demi, je pense, à peu près après, ou 2 ans après, je ne sais plus, j'ai plus trop de notion du temps. En tout cas, faire un point sur le jeu, les Saisons du Paradis, où est-ce que ça en est et où est-ce que ça pourrait aboutir. Voilà. Eh ben écoute, ouais, tu vois, c'est pas la même chose quand on fait une autre émission. Là, j'ai un peu plus de T'as un stress. peu C'est plus de pas... pression là, donc. J'ai un peu plus de pression, c'est ouais, bien sûr, c'est différent parce que ben tu vois, comme tu dis, il y a eu l'émission que l'on a fait ensemble, ouais, c'était en juin ou juillet 2016, je crois. Et puis après, on a révélé le trailer en décembre 2016. Donc là, je vais pouvoir expliquer concrètement ce qui s'est passé, pourquoi on l'a révélé, tous les dessous. Et après, j'ai pas pu prendre la parole en fait. Beaucoup de personnes m'ont demandé des interviews, des questions, des magazines français, américains, les joueurs aussi, et j'ai jamais pu prendre la parole pour des raisons que je pense essayer de vous expliquer. Sauf justement à la petite interview américaine qui a eu lieu c'était quoi, il y a un mois, où j'ai pu enfin donner quelques explications. Donc là, je vais les donner en Je française, ces ne l'ai pas explications. lu, je l'ai pas lu volontairement pour pouvoir avoir les idées plus fraîches lors de cet entretien. Tu m'en avais parlé au téléphone parce que ça fait quelques mois déjà qu'on planifie cette émission. Donc voilà, alors bon, on va résumer brièvement pour ceux qui n'auraient pas envie de qui seraient pressés, Oui, qui n'auraient pas envie de regarder l'émission précédente. Bon, cela. surtout qu'elle n'est pas courte. Non, non, elle n'est pas courte, mais ceux-là, bon, ils savent pas ce qu'ils loupent parce que je pense que c'est une des émissions que j'ai préféré faire sur cette chaîne. Alors, les Saisons du Paradis, c'est un projet qui t'est venu quand ton chien est décédé, c'est ça? Ouais, tout à fait. Quand Annie est décédée en avril 2012. On va dire que ça a enclenché une envie chez moi de reprendre l'écriture. J'écrivais avant, mais vraiment de façon très privée, personnelle, des entraînements, ce genre de trucs, des petites brèves, des machins, tu vois, comme on fait quand on est à l'école, ce genre de trucs. Et puis, le décès m'a inspiré, en fait. J'ai eu envie de sécher ma peine Ouais, à travers l'écriture, en fait. une écriture cathartique. Ouais, ça peut être ridicule, hein. Encore une fois, il y a des gens Non, non, qui non, trouvent non, ça mais super ridicule, souvent, mais... voilà, moi, par exemple, quand j'ai des périodes de tristesse, c'est le moment où je me sens le plus créatif, en fait. C'est là où peut-être C'est ça pousse un peu la terrible. créativité. C'est terrible, ça te tire comme ça, tu sais, dans les abîmes de la réflexion. Et puis, bah, du coup, voilà, tu oses certaines choses que tu n'oserais pas normalement. Quand tu écris, ben, ça t'arrive de fumer un pétard, de boire un coup, parce que ça t'inhibe aussi sur certaines choses. Donc, du coup, en fait, il y a tout ce process d'écriture, hein. Il n'y a pas que moi, hein, mais je veux dire, tous ceux qui écrivent ont leur petit truc, hein. Moi, mon truc à moi, c'est de me mettre en généralement au calme, et puis de partir comme ça, essayer en fait de découvrir en fait ce que tu as dans ta tête. Et du coup, quand Annie décède, eh ben, c'est le moment, en fait, je me dis, allez, vas-y. T'as envie de raconter des trucs, tu y vas.
tu t'en fiches de ce que les Et autres pensent. est-ce que je vais poser des questions pour essayer de donner un peu de rythme, hein, donc je t'interromprai un petit peu Vas-y, parce que vas-y, je regarde vas-y, l'horloge. vas-y. Est-ce que tu penses tout de suite à un jeu vidéo ou d'abord tu penses d'abord à une histoire que qui pourrait être un livre ou autre chose, ou est-ce que directement l'idée d'un jeu vidéo est venue? En fait, l'idée du jeu vidéo est venue quasiment directement. En fait, c'est bizarre. Avec les années, j'ai du mal à savoir ce qui est venu en premier ou pas. C'est étrange. Oui, bien Mais sûr. il me semble que la première envie, en fait, c'était de ramener le chien à la vie de façon interactive, de pouvoir rejouer avec, tu vois. Et par la même occasion, de l'impliquer dans une histoire, en fait, où il pourrait reprendre vie. Tu vois, c'est pas juste. J'ai écrit une histoire, je sais pas, d'une famille qui veut monter une boutique, et puis il arrive un accident, il y en a un qui a un cancer, et puis du coup il y en a un qui puis il se croule de dette, et puis tout s'effondre, et puis tu mets le chien dans cette histoire, c'est pas du tout le cas. Là, l'idée c'était de mettre mon chien et de le ramener à la vie. Donc il fallait D'accord. trouver tout un process narratif où ça tient plus ou moins la route, où il pourrait être amené à la vie en fait. Et l'interactivité, donc le jeu vidéo, forcément. Exactement. Exactement, pouvoir prendre Donc la main, la manette, le déplacer, voilà. tu es vraiment le papa de cette histoire et de ce jeu. C'est toi Oui, tout à fait. parce qu'on Ouais. sait qu'il y a eu beaucoup de gens après impliqués, des amis, Oui. mais c'est vraiment ta paternité, c'est ton. C'est Tout à fait. Je ton suis le seul aujourd'hui. Ça va peut-être changer, mais je suis le seul à en fait avoir la propriété intellectuelle des Saisons du Parier aujourd'hui. Mais ça risque peut-être de changer. Voilà, donc à partir de là, bon, bah, le projet se crée, tu embarques des potes avec toi pour commencer, puis vous partez aux États-Unis parce que c'est là que. Bon, là, on résume, hein, si vous voulez la version longue, il y a l'émission dédiée là-dessus. Et donc aux États-Unis, tu montes ton studio, Any Arts Production. D'ailleurs, à l'époque, on ne se connaissait pas, mais je me disais, putain, c'est trop stylé, c'était vraiment des beaux locaux avec pas mal d'objets collector dédiés aux Ouais. jeux vidéo, etc. Donc c'est une belle aventure, mais qui est épuisante. Hein, Ouais. D'ailleurs, c'est Très marrant, dur. quand on avait fait cette émission, il y a eu un côté un peu. C'est une des rares que j'ai réécoutées, mais vraiment comme si tu te vidais en fait. C'est comme si tu allais presque chez le psy en fait dans cette émission. C'était C'est terrible vraiment. parce que, avec le recul, je ne sais pas si je l'aurais, si j'aurais vidé autant mon sac. Parce qu'en fait, il y a eu énormément de retours positifs, mais il y a eu beaucoup de retours de haine suite à cette Ouais. vidéo Oui, mais. de gens. Après, c'est toujours pareil. Le truc qu'il y a, c'est que quand tu fais quelque chose, de toute façon, tu susciteras de toute façon soit l'envie, soit la jalousie, soit l'admiration, soit Ouais, les réactions humaines, soit elles sont assez. sont humaines, on est humains après tout, tu vois. Pour revenir sur les réactions qu'il y a eu, moi je pense qu'il faut. Moi je suis très fier de cette émission. Je suis très fier parce que je pense que c'est là aussi où on a commencé à peut-être à se rapprocher parce que vraiment on était tous les deux dans Nico et moi on n'avait pas parlé de ça avant quoi. C'est un peu comme ce soir on Ah avait un petit oui. peu c'est vrai que c'est touchant. Nous, et dans la balance c'est vrai qu'il y a eu des cons, ça c'est clair, mais il y a eu quand même un élan en tout cas par rapport Ouais. aux Share Players et Vous avez une communauté qui a été ouais, puis on a eu pas mal extrêmement gentille et Exactement, bienveillante. donc on a eu quand même vraiment beaucoup de positivisme. Après, bon, bah, il y a eu toutes ces polémiques, etc., un peu stupides avec des gens qui font des parodies de comptes, etc. C'est Ouais, mais soit encore, ça, tu sais, par exemple, regrettable, mais bon, c'est comme c'est ça. regrettable, mais encore une fois, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, c'est la Oui. liberté d'Internet. Dans la mesure où tu insultes pas, moi, je tiens pas rigueur de ceux qui font des vidéos humoristiques, pas du tout. Je retiens plutôt rigueur de ce qu'ils laissent partager sur leur forum. Ça, c'est pas normal. Je veux dire, tu as une responsabilité quand tu es l'administrateur de ton site et de faire attention à tout ça. C'est ça. Moi, j'ai quand même reçu des Ouais. menaces de mort, courrier, et je suis pas le seul. Donc, du coup, là, tu te dis, attends, on fait du jeu vidéo, il y a la guerre en Syrie, ça, c'est important. Là, ça peut déchaîner la haine et la passion, tu vois ce que je veux dire? Non, après, voilà, c'est tous les travers malheureusement, de notre milieu, où Exactement. les gens, moi, on avait été plus ou moins préservés avant ce truc-là. Là, du coup, on est rentrés, nous aussi, parce qu'après, les gens faisaient des amalgames, Julien Chies, Gameblog, Nico Gusteau, des amalgames très rapides, alors que, Bien bon, sûr, nous, on est les je share n'ai players. jamais, jamais travaillé pour Gameblog. Je Non, n'ai non, mais. jamais été un journaliste.
Je n'ai avec Gameblog que des liens d'amitié avec Mais Traz, c'est. Julo, Julien, Plume. Ça s'arrête là. Mais Non, mais les gens, nous, c'est pareil. c'est ouf, quoi. C'est totalement extraordinaire. Comme quoi, il y a des gens qui racontent absolument Exactement, n'importe quoi. mais nous, en fait, on était des amateurs, on est partis de nulle part. Il y a des gens qui nous ont contactés parce qu'ils trouvaient ce qu'on faisait intéressant, et donc on a créé des liens avec eux, mais on fait partie d'aucun clan. C'est-à-dire que nous, enfin, une fois que les ordinateurs se ferment, c'est pas notre métier, c'est-à-dire on retourne à notre vie. Donc nous, on s'est retrouvés ensemble, hein, toi et moi, pour le coup, Nico, dans le shitstorm, on va dire. C'est vrai que ça nous a rapprochés, mais cette émission, elle est quand même. Il y avait quand même elle est touchante parce que tu vidais ton sac et tu étais très fatigué à ce moment-là de cette aventure qui était arrivée dans une impasse financière. Au bout, Voilà, t'es arrivé, c'était une impasse financière, peut-être ouais. Et aussi humaine, hein, même, hein, encore humaine plus, je et crois. morale. Et donc, cette émission, donc on va donc reprendre le fil à partir de la fin de cette émission. Eh ben, quelque part, elle a permis au projet de renaître un peu de ses cendres. Explique-nous un peu comment cette émission a permis aux Saisons du Paradis de ressusciter, entre guillemets. Alors, il y a déjà le premier point, c'est qu'en juillet 2016, donc globalement un peu en même temps que le podcast, sort le livre en auto-édition. Et j'ai absolument aucune idée de savoir si ça va marcher ou pas, j'en sais rien. Et ça va marcher très très bien pour l'auto-édition. J'atteins des chiffres que je n'avais pas du tout envisagés, qui vont là bien au-delà de mes espérances. Premier point. En partie par l'émission, en partie par ma communauté, en partie par une sorte de bouche à oreille. Bien sûr. De certaines personnes ont partagé à gauche à droite, du coup ça a créé le truc très très bien. Après c'est l'auto-édition. Moi je suis pas, le livre n'était pas parfait, il y avait plein de petites erreurs, il y a des coquilles, la mise en page, bon. C'est la problématique de l'auto-édition, donc j'ai eu des retours, tu corriges, bon. Et puis il y a une sorte d'élan. En fait tu vois les gens envoyer des messages de soutien, tu te dis merde putain. Oh. Et moi j'étais en bas, hein. Comme je te le disais, Yannick, j'étais totalement en bas. Ouais, Et puis tu vois des c'était une période messages de difficile. soutien. J'ai même des gens du business qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit tiens, je vais écouter. Franchement, c'est très bien. Si seulement on pouvait prendre la parole comme tu l'as fait. D'autres, il y a des développeurs qui m'ont contacté, français, américains, américains, des Français qui sont aux États-Unis, qui ont écouté l'émission et qui m'ont dit mais on aimerait bien nous aussi parler. Et il y a La beaucoup de porte est choses qui sont ouverte. là. Ouais, mais la plupart ne peuvent pas. Oui, je sais, Nous, ouais. on peut parce qu'on est indépendant. C'est-à-dire qu'on a rien, de façon contractuelle, on n'a rien à part entre nous, nos associés et le groupe. Ça Il y s'arrête a là. le Ah. podcast de Merwan avec qui on avait fait deux trois trucs qui c'est le coin des joueurs qui il reçoit souvent des artistes du jeu vidéo et c'est très intéressant. Après, c'est pour parler plutôt des côtés positifs et de certains aspects artistiques mais il le fait très bien. Ils aborderont pas les côtés Voilà, le négatifs, côté bien obscur évidemment. du truc quoi, Ils ne pourront pas l'aborder, ils risquent leur place et tout, et je le Non, comprends, mais et c'est pas évidemment. à nous de le faire. Mais oui, Donc. c'est vrai que tu m'as dit, on ne peut pas citer les noms, mais il y a même des gens très importants et Ah très connus de cette industrie qui ont écouté cette émission. Donc on était très fiers de notre côté d'avoir eu cette. j'ai eu globalement même des gens de mon équipe qui n'en faisaient plus vraiment partie, qui m'ont dit, putain, chapeau, t'as eu vraiment le courage d'être honnête, Merci de raconter d'appeler ces notre gens-là. histoire. Merci de raconter le truc. Dans l'honnêteté, j'ai raconté moi mes facettes noires, où je suis exigeant, où on a enclenché 25 millions de trucs. Il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est des mythos, ils ont fait 3, 4 démos, c'est des mythos. Mais non. Tu discutes avec n'importe quel développeur, producteur de grosses sociétés de jeux vidéo, qui a des petits prototypes toujours en dev, parce que tu dois toujours penser au prochain gig, à ton prochain job. Tu peux pas t'endormir sur le Ouais, et puis il truc. y Et avait les ça, je opportunités à détiens, c'est saisir, ce que tu nous avais dit avec la VR. Après, peut-être que le studio était trop petit pour gérer tout ça, ce que tu nous avais dit. Mais c'est aussi carrément. des erreurs de jeunesse, et c'est peut-être aussi la fougue du moment. Le truc, bon, mais quand même, Bien sûr, on est à LA, des on est erreurs. sur place, on a mis toutes nos billes. Ben, maintenant, quitte à y aller, allons-y à fond. Et quitte à se prendre le mur, autant se le prendre à 200 km/h qu'à 30, quoi, tu vois. Enfin. Exactement. Et donc du coup, bon bah voilà, les retours, c'est chouette, moi ça me remonte un tout petit peu le moral. L'équipe se sépare définitivement pendant cette période-là. Et puis, advient l'annonce de la fameuse NX, la Nintendo Switch qui a lieu, c'est au mois d'octobre, le 20 octobre. Bon. C'est une explosion médiatique.
Nous, on le savait depuis longtemps. Nous, ça, franchement, c'est vraiment Non, sans mais juste, prétention. enfin, moi, je peux témoigner parce que Nico nous avait dit en off beaucoup de choses qui ont été révélées ensuite. Donc, enfin, je m'en porte garant. Alors, moi, c'est. Il y avait des éléments qui allaient vraiment démontrer que la console allait marcher. Et ça n'a pas raté. On a reçu plusieurs emails d'investisseurs. Donc des investisseurs qui lisent le journal comme toi, moi, qui lisent Le Monde, qui lisent Le Figaro, qui lisent le New York Times et qui voient la Switch cartonner et ils se disent, tiens, quels sont les petits studios indépendants chez qui on pourrait investir pour faire du pognon? Parce que Oui, c'est très pragmatique. il n'y a pas de philanthropie dans ce milieu, soyons clairs. Exactement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a eu, hein, mais il n'y en a plus. C'est fini. C'est fini. Et donc du coup, je reçois un email. Très détaillé, bon voilà, on se présente, on est un tel, on est supporté par tel capital funding dans tel pays, nos objectifs c'est ça, on a déjà fait ça, on est sur le marché du real estate, on est sur le marché du textile, on est sur le marché du machin et on se veut aller sur le marché du jeu vidéo. Bon, moi je dis c'est génial, c'est top, ils sont super sérieux, ils envoient un deuxième, un troisième, on échange des emails détaillés, bon. On a échangé une bonne quinzaine d'emails. Et dans ces emails, pour arriver à un but, c'est de financer notre jeu, de récupérer la propriété intellectuelle du jeu. Et donc, en échange de ça, ils financent le jeu, le mettent sur le marché. Bon. Tout ça sur Nintendo Switch, qui est notre volonté de base. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Et puis. Le truc qu'il y a, c'est que ben, combien vous voulez mettre, ces questions, elles sont claires, nettes et précises. Ils nous payent le budget total, mais avant ça, ils veulent faire un test. Et ce test, il est, pour moi en tout cas à ce moment-là, il est logique, même encore aujourd'hui. Il est logique, ils veulent savoir si le public a un intérêt sur le jeu. Ce qui est logique, quand tu es une IP inconnue, quand tu es un studio inconnu, quand tu as personne de Rockstar dans ta team, hormis Oscar Araujo, le gars de Castlevania, quand tu es personne et que tu as des gens qui veulent financer, ils veulent quand même limiter la casse. Et donc, du coup, ils nous demandent de révéler le jeu. Alors, Ça, c'est un seul investisseur ou c'est plusieurs investisseurs différents qui... c'est un seul investisseur. Les trois autres investisseurs, les conversations n'ont pas été aussi loin. D'accord. Parce que quand on a évoqué le ROI, le Return of Investment, entre 4 et 5 ans, donc c'est-à-dire vous sortez le jeu, et c'est un an seulement après la sortie du jeu que vous allez récupérer votre argent. Mais donc ce qui veut dire, c'est que tu as le temps de développement plus un an. Soit nous, on avait misé sur 3 ans et demi, 4 ans de dev, plus un an. Voilà. Ouais. Et pour eux, 5 ans, c'est trop long au regard du budget. Et pourtant, c'est des budgets à moins de 2 millions d'euros. Celui où on est aujourd'hui, c'est un budget de moins de 2 millions d'euros. Donc, ce n'est pas des budgets, tu vois ce que je veux dire, hein, ce n'est pas colossal. Et bien, même avec ça, pour eux, c'était trop long d'attendre, malgré le pourcentage qu'ils avaient. Pour eux, c'est trop long. En général, c'est la problématique, c'est que quand tu fais du real estate, tu achètes le terrain, au bout de 8 mois, tu le revends quasiment un tiers du prix que tu l'as acheté tout de suite. Et les mecs vont très, très vite. Le business est toujours à court terme, très très vite à court terme. Bon, donc lui, par contre, cet investisseur potentiel, lui, ça lui fait pas peur. La seule chose qu'il nous dit, écoutez, voilà, et donc c'est terrible parce que c'est l'avant-dernier email qu'il nous envoie, et il nous dit, par contre, on a réfléchi, on aimerait que vous rendiez le jeu public. Donc, on n'a pas de trailer. On est à un stage qui est au stage du vertical. Donc on est un peu au-delà du proto, mais on n'a pas un vertical fini. On est un truc bâtard. Le jeu tourne sur PC, donc aujourd'hui j'y réponds, parce que cette question, on l'a posée 5 millions de fois. Est-ce que c'est de la Switch qu'on voit? Alors, ce n'est pas de la Switch, mais ce que vous voyez sur PC, je vous donne un exemple. Il y a des choses qui. Le jeu sera très très proche de ça. Par exemple, on utilise le plugin TrueSky dans le proto et le vertical que l'on a. Le TrueSky n'est pas compatible avec vraiment. Et c'est super instable avec les versions d'Unreal. Probablement pas compatible avec la Switch. C'est Donc quoi on retirera. True Sky?
En fait, c'est tout le modèle de ciel qui est assez exceptionnel. C'est vrai, il y a quelques jeux qui l'ont utilisé. Je pense notamment à Drive Club, qui l'utilise très très bien, mais à quel prix? Beaucoup beaucoup de compromis en termes de programmation, de tech, de machin, tout ce que tu veux. C'était une vraie tannée pour eux de l'inclure. Nous, au final, on n'intégrera pas. On l'avait mis dans le vertical, mais dans le jeu, ça, on le mettra pas. Donc, on va faire ça nous-mêmes. On change ça, on fait ça nous-mêmes. Donc, ce que vous voyez, ce que vous avez vu, je dirais même que le jeu sera mieux que ce que vous avez vu. On a ajusté la DA, bon bref, on a corrigé pas mal de petites choses. Donc, quand on nous demande ça, on n'a pas une Mais alors, version finale du jeu. quand tu dis nous, il reste qui dans l'équipe? Donc aujourd'hui, on est un petit peu plus d'une dizaine qui bossons sur le jeu, uniquement sur nos temps libres, au rythme que l'on souhaite, Et de sans façon nous prendre la bénévole? tête, et d'une façon bénévole. Il y a des investissements de temps en temps, mais d'une façon bénévole, et tout le monde a un intérêt sur les ventes du jeu. Donc on a fait une sorte de... Qu'on appelle ça, de communiste, de selling communiste, je veux dire. Tout le monde participe, tout le monde a un pourcentage sur ça. Et par rapport aux Voilà. gens qui étaient, parce que tu as souvent cité ton meilleur ami, Oui. est-ce qu'il est toujours dans l'aventure du coup? Parce Alors, qu'il s'était beaucoup investi. il y a des trucs que je peux pas rentrer trop dans les détails, Bien sûr. mais lui, oui, d'autres non, d'autres sont partis. Et je comprends parce que tu vois, je veux dire, là on bosse sur le temps libre, c'est super compliqué. Les gens, on a tous une vie, il y en a qui ont des enfants, un boulot. Je me revoyais pas redire, hé hey, les gars, tout le monde refait du temps libre, non, c'est impossible. Donc du coup, il faut trouver ceux qui ont cette envie. Mais encore une fois, Donc c'est un projet qui est encore très amateur, on peut le dire, dans sa bien sûr, bien enfin, sûr, très bien artisanal, on sûr, va dire. très artisanal. Voilà, on est dans l'artisanal, ça prend le temps que ça Et donc prend. vous avez cette démo qui tourne quand même sous Unreal Engine 4, parce que Oui, bon, bien sûr, bien sûr. il y a des assets qui sont des assets les plus génériques de l'Unreal, parce que certains se sont bêtés à décrypter Oui, j'ai vu ça. Il y a l'extrait de des gens qui gameplay en croient, disant. il y a des abrutis notoires qui pensent que les développeurs, les programmeurs et les éditeurs n'achètent pas les assets. Si tu achètes les assets, il y a un store qui s'appelle l'Unreal Store où tu Bien achètes des sûr. assets pour te sauver du temps, parce que le temps, c'est de l'argent, le temps, Des c'est de la alors des facture. assets, ça peut être par exemple des textures d'arbres ou des trucs Des comme ça, arbres, quoi. t'achètes des arbres, t'achètes des trucs, et pourtant on en a fait quand même une sacrée tétra chier de trucs nous-mêmes. Aujourd'hui, là, ce que les gens ont vu, on est reparti à zéro quasiment, en fait, hein. Ce qu'on a montré, c'était une vitrine, c'est un prototype qui appartient au passé. Aujourd'hui, on est parti sur autre chose, qui est le même jeu, hein. C'est la même Mais qui chose. sera très différent. Alors moi, je vais dire aux gens, c'est pas Alors nouveau. esthétiquement, non, hein, on sera toujours dans le même truc, mais on est Oui, reparti à zéro mais je vais avec juste d'autres assets. prendre un exemple récent et concret, c'est-à-dire que regardez ce qu'est Quantum Break aujourd'hui, regardez les premières présentations, le héros, c'est pas le même, tout Mais c'est bêtement. sûr, c'est Donc clair. Et c'est-à-dire qu'il y a des tous les jeux, fois, c'est comme ça. il y a beaucoup de jeux où c'est comme ça, où il y a des choses qui changent. Là, par exemple, je suis en train de lire le bouquin de Pixel Love sur God of War. Ils expliquent très bien que Kratos, au début, n'était pas comme ça. D'ailleurs, ses tatouages étaient Bien sûr. bleus, et à la dernière seconde, ils ont vu qu'il y avait dans un autre jeu, un type qui avait des tatouages bleus de la même forme. Eh ben, ils ont dû les mettre en rouge. Donc ça tient, des fois, des choses tiennent à peu de choses. Donc forcément, et puis personne ne vous a dit que c'était contractuellement ce que vous devez avoir. Donc vous Exactement. sortez cette démo un peu en urgence, qui tourne Ouais. sous Unreal Engine 4, donc Exactement. un Qui est moteur qui jouable, est. hein. Attention, hein, il y a 45 minutes jouables dans ce qu'on avait, hein. C'était vraiment un bon niveau. Avec un Critical Pass, hein, bien évidemment, mais je veux dire, il y a 45 minutes jouables et on doit en faire un trailer. Donc c'est assez compliqué de faire ça aussi rapidement. Mais on y arrive. Moi, je trouve un musicien que j'aime beaucoup, qui bossera, qui fera partie de l'équipe de la BO. Donc, on a Oscar Arojo de Castlevania, Lord of Shadow, qui lui est toujours dans l'équipe avec nous, et il sera rejoint par plusieurs autres musiciens, dont notamment le fameux Ben O'Malley qui a fait la musique, qui est dans le trailer et qui a fait les D'accord. musiques de l'audiobook. Voilà. Et donc, du coup, on sort ça en urgence. Et là, je dois appeler. Alors attends, on va juste repréciser pour ceux qui ont loupé le train en marche, que techniquement, le premier jeu annoncé sur Switch ever, je crois que c'est Dragon Quest 11, et vous êtes le deuxième jeu. On est Je le deuxième crois, jeu. le deuxième, il me semble, hein, mais voilà. Ouais. Et on est le premier jeu occidental
Et ça va poser, Alors ça va beaucoup, beaucoup, susciter beaucoup de beaucoup, questions de la beaucoup part de de tout le gens monde. disent ouais, c'est un buzz, il n'y a rien derrière. Objectivement, tu peux comprendre que certaines personnes raisonnent comme ça, Bien hein, c'est sûr, des bien personnes mal sûr. intentionnées, mais derrière, quand on connaît l'histoire comme moi je la connais, comme les gens qui suivent ton parcours, notamment au travers de notre chaîne et puis de tes comptes sociaux, etc., savent que le jeu est en développement depuis longtemps, connaissent ton attachement aux plateformes Nintendo, et même si à ce moment-là la NX vient à peine d'être révélée, si toutes les émissions que tu as fait avec nous, tu nous as quand même laissé souvent des miettes, donc je pense que vous saviez où est-ce que vous alliez aller. Et moi, si on m'avait demandé juste avant que le trailer arrive, si un jour les saisons du paradis devaient arriver, ben, c'était pas sur Wii U que ça allait sortir. C'est-à-dire que demain tu prévois un jeu sur PS4, la PS5 débarque, ton projet il prend du retard, tu vas pas le sortir sur la machine, tu vas le balancer sur la machine qui arrive, pas sur la vieille machine. Donc Bien sûr. c'est d'une logique, enfin c'est un plus un. Si les gens pouvaient pas comprendre ça, après ça fait quand même un du buzz. Oui, ça a été. Alors, il y a eu beaucoup de buzz négatif en France parce qu'on sait que ce même groupe de gens, j'ai pas envie de les citer directement parce que on en parlait en off tout à l'heure, j'apprécie quand même une partie de leur travail, mais ils ont quand même derrière eux tout un panier, une communauté de gens qui est quand même Moi, propice. j'ai jamais eu de problème avec aucun journaliste Non, de site, peu importe directement le site, jamais. parce que Et souvent quand je les ai croisés, j'en ai croisé certains, Ouais, mais hein, c'est parce tu que sais, c'est des caguettes, la majorité, donc tu vois, et enfin. ils sont super cool. Il y en a qui sont même des amis, il y en a qui sont même des amis, et pourtant qui font partie de certains groupes un peu piquants et machin. Mais en même Non, mais temps, encore une il fois, y a eu j'ai. un gros buzz négatif en France. Il y a eu beaucoup de positifs aussi dans notre communauté. Les gens, je pense qu'ils connaissent l'histoire, ils sont curieux, ils ont envie. Il y en a beaucoup qui ont acheté le livre dans la communauté. Mais à l'étranger, les réactions étaient Ouf, plutôt bonnes. extraordinaire. On a eu. Alors, attends, avant de parler de ça, je vais quand même Oui, bien répondre sûr. à des interrogations qui ont eu lieu ces deux dernières années autour de ça. Le premier truc, c'est est-ce que Nintendo était au courant? Oui, Nintendo était au courant. Nintendo, vous imaginez bien qu'on n'allait pas révéler un trailer en annonçant la console sans leur demander leur autorisation. Donc, on a demandé l'autorisation à Nintendo et la contrepartie a été oui, vous pouvez l'annoncer, mais vous n'avez pas la possibilité de mettre le logo de la Nintendo Switch. Et je peux vous rappeler qu'à ce moment-là, le seul jeu qui est annoncé est Dragon Quest 11 sur Nintendo Switch. Et lors de la bande-annonce japonaise, où il y a l'annonce PS4 et 3DS, il n'y a pas non plus le logo de la Nintendo Switch. Le logo de la Nintendo Switch n'arrivera qu'en janvier, après leur D'ailleurs, à ce pro, conférence. je fais une parenthèse, mais c'est vrai que récemment, ils ont dit que la version Switch était en retard à cause de Bien problèmes sûr. avec l'Unreal Engine Avec le 4. Unreal, parce que Et ils alors, n'ont pas ce justement, dessus. tu verras, j'en parle dans la dernière émission de News avec Eve, j'ai baptisé un théorème, le théorème d'Augusto. Donc, tu as un théorème à ton nom. Non, Oui. mais c'est le théorème d'Augusto et quelque chose auquel je croyais pas au début. Maintenant, j'y crois dur comme fer, j'étais converti. C'est-à-dire que tu sais même pas de quoi je parle en plus. Non, mais non, parce que Non, j'ai mais pas si, regardé. là, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'éditeurs, en fait, retardent leur jeu pour que les gens les rachètent une deuxième fois sur Switch parce qu'il y a un intérêt à la mobilité. Donc ça s'appelle le théorème d'Augusto. Maintenant, c'est breveté, tu as un théorème à ton nom, il y a le théorème de Pythagore. Non, mais c'est pas mal comme truc, tu vois. C'est comme c'est toi Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. qui nous a... Alors en plus, les gens, je dis ça, mais l'émission dans laquelle tu dis ça n'est pas encore publiée. Donc j'espère qu'elle sera publiée d'ici là, mais... C'est les chers players, hein, c'est un puzzle, il faut un peu recoller les morceaux. Par contre, juste un détail, à ce moment-là, il y a eu la Switch a été révélée avec le trailer où il joue dans l'avion, Oui, etc. Donc, tout à on fait. sait quand Mais même en fait, qu'il y aura Skyrim. Enfin, c'est pas annoncé officiellement, mais on se non, doute qu'il y non, aura Skyrim, tout à etc. fait. Mais c'est le Exactement. premier jeu qui communique par lui-même, Par lui-même. voilà, sur la Parce qu'on Switch. est dans cette situation, moi, tout à fait honnête, j'aurais pas voulu que ça se fasse comme ça. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement compliquée parce qu'on nous y a mis, parce qu'on a accepté, mais on nous y a mis parce qu'on n'avait pas trop le choix. C'est le C'était. financier qui a demandé. Exactement. Exactement. Sinon, moi, c'était pas du tout ça. On avait prévu. Aujourd'hui, je peux le dire parce que de toute façon, bah, c'est déjà annoncé, donc ça change rien. On avait prévu de faire un VG Award. C'était comme ça qu'on avait fait à un stage très avancé du jeu, 80-90% du jeu, pour le révéler, le sortir dans les 6 mois après l'annonce. Ça ne s'est pas fait comme ça parce que bah, ça ne se fait jamais comme tu as envie, parce que Bien on a sûr. choisi une voie indépendante et voilà. Maintenant.
Donc du coup, c'est annoncé. Effectivement, la presse française, il y a différents groupes. Il y a des très gros qui vont en parler en bien. Il y a des très gros qui vont pas en parler du tout. Et il y a une énorme majorité de gens bienveillants qui trouvent ça super. Et tu as une petite minorité très, 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 très virulente, très violente, remplie d'insultes, qui va dire... C'est du mytho, c'est du bullshit. Je vois même fleurir des choses, des gens qui me connaissent et qui vont raconter des choses qui sont totalement fausses sur ma vie. J'ai vu ça sur des forums, des trucs extraordinaires. Il y a des gens qui racontent même que j'aurais deux bites. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, mais j'ai vu des trucs surréalistes. Je Non me mais dis, je, enfin moi, je, moi c'est ça m'a, fantastique, la joie d'Internet. étant donné que t'es mon ami, je, enfin j'ai pas trop épilogué sur ces trucs-là, mais ouais, c'est quand même triste j'ai envie de faire le parallèle avec souvent David Cage qui s'en prend plein la tronche Ouais, c'est par un peu encore. les mêmes sphères de gens. Les mêmes sphères de gens qui adorent Until Dawn, alors que finalement je vois pas trop la différence entre un Heavy Rain et un Until Dawn, moi personnellement, hein, pourtant j'ai fait 2 fois Heavy Rain et 1 fois et demie Until Dawn, donc je pense que j'ai les yeux en face des trous, enfin jusqu'à preuve du contraire. Il y a vraiment un délit de faciès, tu vois, de tout ce qu'il propose, c'est toujours ah, mais c'est du bullshit, mais il veut se la péter, parce que David Cage, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui n'hésite pas à mettre en avant ce qu'il fait, ses projets, et qui est entreprenant, et je pense que ça dérange un petit Et il peu. a raison. Ce que je veux dire, c'est que tu fais ce que tu as envie. Tu fais ce qui te fait Après, plaisir, ce qui te fait vibrer. la critique a le droit, mais moi j'ai vécu ça comme ça, je me suis dit, même si Nico Augusto nous avait présenté, je sais pas, Red Dead Redemption 2 par lui-même, on va dire, je vais dans un cas extrême, on aurait dit, ah, parce que c'était toi, tu vois, parce que les gens, ils avaient Ben, bien déjà un sûr. a priori sur toi Oui. Et c'est normal, Yannick, je qui peux vous découlait de comprendre. fait, c'est venu que t'es intervenu à Gameblog, ces gens-là détestaient Gameblog de facto et tout ce qui s'en C'est ça. rapprochait, et donc, bah, toi, ils t'ont mis dedans, nous par conséquence, on s'est retrouvés dedans aussi, on s'en est repris une petite couche aussi au passage à ce moment-là. Et puis c'est un petit peu dommage, tu vois, ces rédactions épidermiques. On peut comprendre les réserves de certains par rapport à ce qu'on a dit sur le moteur, l'opportunisme supposé. Maintenant, c'était pas non plus. Enfin, moi, c'est si Moi, je. j'ai envie de poser la question à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui nous reste à nous, les indépendants, les tout petits indépendants? Qui essayons de faire des jeux avec les ambitions que l'on a. Chacun a ses propres ambitions, chacun a envie de créer l'univers, l'aventure, l'histoire qu'il veut faire. Qu'est-ce qui nous reste à nous pour pouvoir communiquer sérieusement? Et parce qu'en Mais France, on mais Nico, en motifs, France, on communique même pas pas. forcément. Non, mais attends, même pas qu'en France, Yannick, regarde. Tu peux plus communiquer directement par la presse. C'est très compliqué parce que la presse est débordée, elle est assaillie par les gros. Bien sûr. Premier point. Deuxième point, tu peux même plus, pour les modes de financement, on peut faire connaître ton produit, tu peux quasiment plus utiliser Kickstarter si t'es pas une ancienne gloire du jeu vidéo, si t'es pas une ancienne IP qui a besoin de ressusciter. Qu'est-ce qui nous reste? J'ai eu à ce moment-là la chance, et je le dis, je suis ami avec Julien Chiez. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Quelqu'un que j'aime bien, je n'ai jamais travaillé pour lui, je n'ai jamais travaillé pour Gameblog. J'ai participé parce qu'on m'a invité à des Bien podcasts. sûr. Ça s'arrête là. Julien, je lui en parle, il me dit, j'en parle. J'en parle, ce qui est normal, tu vois. Moi, je suis content, notre équipe, elle est contente, elle se dit, putain, on va parler un peu de notre jeu. Si j'avais lancé le jeu avec un communiqué de presse, traditionnellement, il n'aurait jamais été repris. Jamais Je été sais bien. repris. Donc, qu'est-ce qui nous reste, nous, aux petits indépendants? Mais il reste Regarde la les chance studios. d'avoir des relations et des fois de pouvoir. Voilà, c'est tout. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que si ça avait été le site concurrent. Qui en avait parlé, ces mêmes gens, on aurait, enfin, beaucoup beaucoup de gens n'auraient peut-être pas à râler parce que, tu vois ce que je veux dire, il y avait une réaction épidermique. Ah, ça vient de Gameblog, c'est le pote à Julien, donc. J'ai eu d'autres sites français qui ont repris et qui en ont parlé, qui n'ont pas de problème Non, bien sûr. avec un tel ou avec un tel. C'est pas mon problème. Je veux dire, cette guerre-là, c'est pas la mienne. Je Mais suis non, pas mais journaliste. nous non plus, en plus, Tu vois, c'est enfin. quand même fou, quoi.
Elle n'a même plus lieu d'être aujourd'hui parce que Julien est parti de chez Gameblog et puis maintenant, C'est vrai c'est... que oui, bien sûr, Il y a eu maintenant ça, il est il y a eu ça parti. entre-temps, mais moi je suis d'accord avec toi, je vais prendre l'exemple d'un jeu que j'ai backé sur Kickstarter à l'époque où Kickstarter pouvait encore backer des jeux, c'est un jeu de roller. Parce que j'ai fait du roller pendant une quinzaine d'années, et c'est vrai que si on a eu des jeux de skate de qualité avec bon, Tony Hawk, puis surtout la série Skate, il y a un type qui s'est dit, je suis programmeur de jeux vidéo, c'est son métier, et c'est ma passion, c'est le roller, je vais faire un jeu tout seul. Et donc il a monté son jeu quasiment tout seul qui s'appelle On a Roll. Le jeu a été backé sur Kickstarter. Il a réussi à atteindre les paliers. Mais si j'en avais pas entendu parler par des sites de roller, aucun Tu site, aurais, si tu en avais je parlé. serais complètement passé à côté du truc. Et c'est par hasard parce que sur Insta, je suis 2-3 comptes de roller par nostalgie, comme tu peux suivre des comptes de Ouais. photos, que je suis tombé dessus. Et donc là, je parle de ça parce que quand tu dis qu'est-ce qu'il vous reste à vous les indés, les vrais indés, c'est-à-dire qu'il y a, c'est tellement, il y a tellement de jeux qui arrivent sur Steam, il y a tellement, la presse ne se focalise tellement sur des jeux, les gros jeux. Là, cette semaine, on va bouffer du God of War avant de plus finir, alors tant mieux, c'est un bon jeu. Par contre, quand on a bouffé du Far Cry pour au final la merde que c'est, bah tu te dis est-ce qu'on n'aurait peut-être pas mieux fait de donner de l'importance à des jeux? Après, certains sites, et même Gamekult, hein, donnent de la place souvent dans leurs émissions aux indés, il ne faut pas leur enlever. Mais il y a beaucoup, tu peux pas donner la place à tout le monde. Et moi, j'ai Et. encore une fois, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit et Gamekult, et c'est pas du tout le cas. J'écoute Gamekult depuis des années, je les ai toujours suivis, je les connais pas, c'est tout. Je me permettrai jamais de Non, dire non, quoi mais que ce nous, soit. on, pareil, Les on ne gens pense pas sont, de. tu Parce vois, que. c'est quand même terrible. Moi, je pense que c'est la différence, cette différence de sensibilité qui enrichit le média. Mais La c'est. seule Mais. chose qui ne l'enrichit pas, c'est la poignée de connards qui, en permanence, Dénigre tout. insulte, dénigre, hein, menace. Parce qu'attends, il y Oui, a. à la limite, ça peut. Voilà, mais il y a menace. Quand il y a menace, non, moi, je suis désolé. Non, mais je sais Je fais ça pour me détendre, pour m'amuser. Je fais pas ça. Carole et Julien sont passés par là, Kayane est passé par là. Après, c'est à des degrés différents, mais c'est vrai que Ah voilà, oui. Non, mais je c'est suis pas sûr. nous, on le répète, hein, nous, on est affilié à personne, on est amis avec Julien Chiez et Carole Quintaine sont des amis. Toi, tu es un ami. Après, on a de problème avec personne. On a reçu Eve qui travaille chez Gameblog.fr. Donc Gameblog aujourd'hui, c'est plus pareil que Julien et Carole, au contraire. Et pourtant, ça ne nous empêche pas. Et si demain, on pourrait avoir des gens de chez Gamekult, parce que moi, je continue de suivre et de lire Gamekult, parce que j'apprécie justement qu'ils soient peut-être, alors des fois peut-être un peu trop, mais peut-être en décalage avec des fois les avis Moi, j'aime unanimes. beaucoup, hein, on en Enfin, parle mais dans déjà les pour l'heure, émissions, on aime bien ce décalage, Exactement, il y a un décalage intéressant dans les notations, puis j'aime bien le qui renouvellement est de très... l'équipe, la façon dont l'équipe a été renouvelée me plaît bien. Donc, et puis souvent dans les émissions, ils parlent de petits jeux, ils parlent de musique. Moi, je suis ami avec Camus, hein. J'ai aucune problématique de le dire, tu vois, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, on se voit de temps en temps. Le podcast Gaijin Dash est vraiment Voilà, c'est un excellent il fait un podcast. Donc, super job, peu importe où il bosse, je m'en fous, moi mais voilà, nous, on s'est je trouve retrouvés. sympa, et voilà, donc. Merde, quoi, tu vois, Mais surtout toi, c'est tu hyper t'es anodin. peut-être retrouvé Moi, je me suis retrouvé au milieu. au Ah milieu d'une oui. guerre de sites. Parce que on te pensait affilié à. Alors bon, après, les gens font des raccourcis faciles, c'est vrai que. Mais du coup, ton jeu, il s'est peut-être fait. Il s'est fait descendre avant même qu'on puisse mettre les mains dessus, ou même juste après un trailer. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après, c'était une minorité. Beaucoup de gens, en tout cas, moi, je vais parler pour ma communauté, enfin la communauté des chers players, donc les chers playistes, comme on les appelle. La communauté a été globalement enthousiaste. On a reçu beaucoup, beaucoup de messages de et le jeu en est où? Et t'as pu y jouer, machin truc. Donc malheureusement, non, j'ai pas pu y jouer parce qu'on est. On est loin, et quand on s'est vu avec Nico, on a préféré boire un coup et manger une pizza que de jouer aux jeux vidéo. Et c'était plus sympa. Mais voilà, donc. Alors, une fois passé ce truc-là, le financier, qu'est-ce qu'il vous répond? Alors, il va y avoir en fait plusieurs conversations, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui vont regarder, voir si potentiellement s'il peut se passer quelque chose. Ça bouge pas trop. C'est des tout petits éditeurs, donc ils nous demandent des budgets ridicules, des budgets à 500 000 euros, On rappelle, hein, parce qu'ils ont l'habitude il de. faudrait 2 millions, on va dire, pour arrondir un petit peu. Voilà, il faut 2 millions globalement. Le truc, c'est avec 500 000 sur la table, en fait, ils ont l'habitude de financer des jeux en 2D.
Et donc, du coup, ça pose une problématique très rapidement. C'est-à-dire que le jeu est trop ambitieux pour un jeu indépendant et pas assez ambitieux pour être un jeu triple A. Donc, on est dans cette C'est un catégorie de jeu de jeu un peu double double A, A. voilà, qui est Exactement. une catégorie qui est assez Qui galère. sous-représentée, qui galère. Ouais. On a eu la chance d'avoir des Rhyme, par exemple, qui est peut-être Ouais. l'exemple parfait du Mais double c'est A. pas, c'est un faux double A quand même, parce que quand tu connais le budget. Tu sais combien le budget? Donc Ouais, je le le jeu. sais, je peux pas le dire. Mais sachez que le jeu a été recommencé au moins 3 ou 4 fois et Oui. qu'ils ont repris quand l'équipe de Tequila a racheté à Sony, parce qu'ils ont racheté Ouais, ils à ont racheté leur Sony, propre droit, ouais. ils ont tout refait le jeu. Ils ont changé de moteur et ils ont tout recommencé. Alors, oui, mais on va dire que s'il n'y avait pas eu toutes ces péripéties de le budget du jeu, ça pourrait être équivalent Saison du Paradis, juste pour que les auditeurs aient un point de Peut-être, ouais. comparaison. Ouais. Peut-être, oui, je pense, Voilà, ouais. pour parce que je pense ce jeu en 3D qui tourne sur l'Unreal, il tourne sur l'Unreal, il me semble, hein, je crois. Ouais. Donc voilà, c'était pour donner une idée, un point de comparaison. Voilà, Je dirais c'est. que le truc qui est un peu embêtant, c'est que nous, le jeu est réaliste. Et donc, du coup, va nécessiter quelques artistes sur des shaders, un peu plus d'artistes de ce Bien côté-là. sûr. Voilà. Et sinon, apparemment, je pense que c'est, en plus, c'est un peu la même durée de vie, c'est à peu près la même chose. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, voilà, on en est là. Les investisseurs vont très peu communiquer. Ils vont se donner un délai de 3 mois pour voir les vraies retombées en termes de vues. Et bah, il faut que ça se fasse, quoi, les vues, tu vois. On va pas atteindre 20, 30 000 ou 40 000 vues comme ça, en fait. Ça va prendre alors, quand même quelques semaines. Et puis, au mois de mars, en fait, ils se rétractent pour nous dire simplement que le retour sur investissement est trop long et qu'il faudrait qu'on soit capable de sortir le jeu dans l'année. Oui, ce qui est absolument infaisable d'un point de Ce qui est vue. absolument infaisable dans l'état de l'équipe, c'est-à-dire qu'on est une toute petite équipe. Même si demain, ils te mettent un chèque d'1,7 million sur la table, c'est pas suffisant Tu pour peux faire pas le jeu en un bosser an. plus de 24 heures par jour, donc. Non. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'ils te disent, bon, ben voilà, on vous donne 3 millions, ce qui n'était pas le cas, hein, on donne 3 millions et que tu fais venir 10 personnes de plus, tu peux toujours pas le faire en une année. Parce que la Parce que personne qui doit faire son boulot, le musicien. De toute façon, bah, il ne peut pas composer plus que 24 heures par jour sur une année. Exactement. Donc. Donc nous, on s'est toujours tenu entre Noël 2019 et Noël 2020, voilà le truc large, en fonction du budget qui pouvait rentrer ou pas. Et puis bah voilà, donc c'était impossible. Nous on l'a dit, écoutez, malheureusement ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Moi j'aurais aimé, hein, je m'en suis mordu les doigts plein de fois, dire merde, j'aurais voulu. Mais tu peux pas accepter parce que si tu acceptes, tu es mort. Et en plus on était soumis à un métacritique. Donc parce qu'en fait il aurait fallu signer avec un publisher pour mettre le jeu sur le retail, qui nous aurait imposé un métacritique aussi, parce que ça c'est quand même un secret qui est quand même globalement pas abordé. On le sait qu'il y a des équipes qui sont Ouais. licenciées parce que elles n'ont pas Parce le que t'as bon pas atteint score. un score, t'as pas atteint le score sur Metacritic. Tu lui dis, mais Ça what the n'arrivera pas à God of War qui est en train d'exploser avec 95, je crois. fuck? Non, mais bon, tu sais qu'une partie de la presse est acquise, Chut, tu on va vois. le dire après, quoi. Voilà. Mais bon, non, mais bon, tu vois, Non, mais c'est plus enfin, impossible. on fait une parenthèse, ça fait quasiment depuis les débuts de la chaîne qu'on s'insurge contre. Alors, c'était à une époque, c'était plus les influenceurs qui étaient des blogueurs à l'époque qui nous abreuvaient de soirées mirobolantes, de coffrets. Là, pareil, il y en a je sais pas combien qui ont reçu le coffret God of War. Tant mieux Quand pour un eux, mais. influenceur qui te dit, moi je prends 50 000 dollars pour parler de ton jeu pendant 3 minutes, on n'est plus dans la passion du tout Ah là. non, on n'est plus dans la passion, mais moi, Voilà, là on est tombé dans quelque chose. Mais sans prendre d'argent, mais les mecs qui prennent les jeux, qui vont en soirée, qui au final ont un article pour se dire le jeu God of War c'est super, il se passe en Scandinavie, il a une barbe, il a un fils, il a une hache. Génial. Non mais enfin, mais on n'est pas loin de ça, donc au final. Ce qui ne remet pas les qualités. Voilà, on n'est pas en train de Non, défoncer le jeu. ni de God of C'est War, juste l'attitude, le problème. ni de certains youtubeurs avec qui on est proche, etc. Mais enfin, voilà, nous, si vous voulez que malheureusement, je ne peux pas vous proposer le test de Far Cry 5 5 jours avant la sortie, étant donné qu'il va me faire 3 semaines pour en valoir à bout. Donc vous avez le test 3 semaines après la sortie.
Donc, mais c'est un test d'un joueur qui a payé son jeu 60 balles et qui a joué comme vous un rythme normal donc, et qui est sincère sur le jeu. Et aujourd'hui, je vais parler de ça vite fait, mais si beaucoup de gens me disent, ah mais toute la presse a été unanime, mais bon, ces gens-là, est-ce qu'ils ont vraiment joué au jeu? Si c'est pour mettre les mains une heure dessus dans une présentation avec des cow-boys Moi, ou je vais des... te le dire, en tout cas, quand je vois la chaîne sur Xenoblade, quand je vois que les tests arrivent le jour de la sortie, les gens, ils n'ont pas fini le jeu. On l'a vu, j'ai plein d'exemples très précis sur Mario 3D World sorti sur Wii U. Mais ça, c'est le cas d'école. Enfin, c'est notre C'est clair, il y a un mec qui jeu, dit, c'est je vais notre super jeu. court, je l'ai fait en 5h30. Putain, puis toi, tu le fais derrière, il fait 40 heures le game. C'est ça. Donc, les gens commencent aussi à comprendre, je pense. Même quoi que c'est quand même, regarde Far Cry, le dernier Far Cry, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le Far Cry le plus vendu des Far Cry, quoi. Le deuxième jeu Ubi, quoi. Ouais, c'est le deuxième jeu Ubi le plus vendu après parce que la communication autour était sympa. Je pense qu'il y avait un énorme creux. Il n'y a eu aucun triple A au premier trimestre. Il y a très peu de jeux jusqu'à God of War de janvier jusqu'à. Même si tu prends de Mario Odyssey jusqu'à. Enfin, des jeux, des Call of ou tout de la fin de l'année jusqu'à là, il n'y avait rien. Donc c'est, tu vois, un peu en Xeno, manque. mec. Mais c'est particulier. Xeno, ça s'adresse à un public quand même. Enfin, c'est du RPG Jap. Enfin, c'est. Mais moi, je ne l'ai pas pris, je, Si parce que les j'ai. gens jouaient un peu plus à ça, putain, ça irait quand même mieux. Ah, Et peut-être, le fond du peut-être. propos du jeu est quand même assez cool, quoi. Même s'il y a de la niaiserie, c'est indéniable, il y a plein de niaiseries japonaises, Non, mais bien je veux dire, sûr. le fond est quand même super cool, quoi. Le son est Non, non, super mais cool. ça, on a souvent. Après, ça enlève pas God of War, je lui dis, je vais prendre Non, un non, pas. ça, tu vois, par exemple, le pauvre Yakuza 6, s'il était sorti au mois de février, je pense que il aurait eu plus de visibilité que de sortir 2 jours avant God Là, of War. Ça va être compliqué pour ouais. lui maintenant. Mais voilà, donc donc nous, on fait partie de ce genre de gens qui testons les jeux vidéo. Par contre, c'est compréhensif. Les rares fois où on a pu avoir des jeux en avance, et c'était des jeux que j'avais eu quand même le temps de tester bien comme il faut, pour pas proposer n'importe quoi, c'est vrai que le compteur de vues, il explose. Donc forcément, c'est. Tout est là, les vues, l'argent, le Ouais, clic, et bien sûr. par contre, ça se fait au détriment de la qualité du travail, et voilà, Bien sûr. C'est bon. très difficile d'arriver à mélanger le tout, hein. Non, c'est très Regardez le film. compliqué, et donc là, pareil, on parlait de métacritique, etc., donc Ouais. forcément, avec cet investisseur, ça se fait plus, donc Non. y a un retour presque à la case départ, en fait. Donc là, il y a un retour à la case départ, mais dans une position encore plus dramatique, qui est que le jeu est révélé. Il suscite toujours de l'intérêt. On reçoit toujours entre 20 et 25 messages par jour, même encore aujourd'hui. Beaucoup de presse, hein, des très 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 grosses presses qui veulent couvrir le jeu, qui veulent en parler, qui veulent raconter plein de choses, avec qui on entretient une très bonne relation pour qu'au moment J, ce soit entièrement couvert. Mais on se retrouve dans cette situation où voilà, on est rendu public et merde, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, pour te dire, on a même eu des messages du Big Boss d'Unreal, on a eu des messages de Sucker Punch, on a eu des messages de Red Dead Down, des mecs qui nous ont envoyé des messages publics sur Twitter pour nous dire bravo, félicitations. Bon, Ouais, bien sûr. ils savaient, parce qu'ils savaient ce qu'il y avait derrière, ces Oui, mecs parce que c'est des gens ont qui été on super. sait que Mais vous étiez proche de on est dans certaines une personnes. situation où c'est public et c'est la merde parce que il n'y a plus de financement. Et donc, du coup, bon, là, ce qui restait de l'équipe, ça se délite. Hein. C'est la fin. C'est la fin, ça s'arrête. Et moi, je vais faire un break, à nouveau, un re-break, réfléchir qu'est-ce qui va se passer. Et puis, moi, je travaille de mon côté, j'écris un scénar avec un producteur américain qui est Pour le sur le jeu, chaud. toujours? Non, 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 pour autre chose, D'accord. mais qui est lié à l'univers des Saisons du Paradis. Moi, je continue à travailler les Saisons du Paradis. J'abandonne pas, moi, le truc. Donc, j'écris le deuxième, le troisième, je commence à travailler sur les comics, je continue, tu vois, de mon côté, pour que ce soit prêt. Et puis, les mois passent, il se passe pas grand-chose, l'intérêt, on va dire, redescend un petit peu, et puis il y a un éditeur qui arrive et qui me dit, on a lu le livre, on veut prendre le livre, on le prend sous la main, on le signe. Donc, ça se passe très rapidement, c'est au mois Donc de un décembre. éditeur de bouquins, hein, on est Un d'accord. éditeur bouquin, qui sont les éditions Guy Trédaniel, qui est une très très grosse édition de livres en France, et ils récupèrent le livre, ils prennent le livre, donc on corrige deux trois trucs, on met en page, machin, et le livre sort officiellement cette année, le 5 juin 2018.
Et moi, comme Il objectif, c'est de sort faire donc, il sera dispo en Fnac, etc. Fnac, Cultura, Amazon, toutes les librairies de France. Il est déjà, tu peux déjà le précommander à la Fnac et à Cultura. Et puis, eh bien, tu vois, ça remet un petit peu l'intérêt parce que d'un seul coup, tu as des gens qui disent, ah, mais tiens, c'est signé, c'est repris. Et puis, on est approché par d'autres personnes que là, je ne peux pas mentionner pour que la machine reparte de façon différente. Et c'est là où, en fait, ça n'arrête jamais jusqu'au moment où tu signes le contrat. C'est pour ça qu'on dit souvent, il n'y a rien tant qu'il n'y a pas de contrat signé. Il Faut pas n'y a vendre la rien. peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Exactement. Donc, pour l'instant, le livre, nous, on continue le jeu nous-mêmes, objectif par nous-mêmes, fin 2020. Donc ça, c'est notre objectif par nous-mêmes. Si quelqu'un rentre dans le financement, eh ben, ça se trouve, ce sera un peu plus tôt. Ça se trouve, ce sera un peu plus tard. Ça se trouve, ce sera jamais. Combien de jeux mettent 10 ans pour sortir? Beaucoup. Combien de jeux sont annulés alors qu'ils s'en sont déjà à la moitié de leur développement? Donc Beaucoup. aujourd'hui, il y a les Saisons du Paradis est toujours en développement de façon donc on va dire Artisanal. artisanale et amateur par toi et donc l'équipe dont tu as parlé. Donc il y a toujours Carlos Arujo, c'est ça? Il y a toujours Oscar Arojo, Oscar Arujo, effectivement. excuse-moi pour le prénom. Ouais. Qui est à la musique. On a un très bon prod. Très très bon producteur du jeu vidéo, très très bon gars, et des mecs qui ont beaucoup d'expérience, game designer, lead artiste, anime, lead prog, Et vous, plus mais, petite donc, équipe. Hein. mais pour l'instant, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a rien du tout derrière. Non, non, Donc, non, est-ce que non, c'est, non. est-ce que vous, tu es toujours, après tant d'années de déconvenues de ce côté-là, est-ce que tu es, est-ce qu'il y a toujours de l'optimisme? Oui, en fait, la vie est longue. Le truc qu'il y a, c'est qu'en France, on a cette fâcheuse habitude de considérer les échecs comme des échecs, alors que les échecs sont des réussites. Chaque échec nourrit ta vie, nourrit tes expériences, et au final, c'est juste un peu éreintant. Tu vois, j'avais pas tout à fait le même discours quand on a fait l'interview il y a 2 ans, parce que j'étais vraiment fatigué et je voyais pas forcément le bout du tunnel. Là, aujourd'hui, je me dis, ça avance, le livre sort, il y en a 2 autres qui sortent de livres. On discute pour les comics, on discute pour le jeu. Donc non, c'est le début, il faut faire nos preuves, tu vois. Bien sûr. Et ce qui est plutôt rassurant au final, c'est qu'en fait, on a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a une belle communauté. Quand je vois comme ça a bien réagi avec la communauté américaine quand j'en ai parlé à Metal Dave, quand il m'a fait cette proposition de venir en parler. Parce que beaucoup d'Américains se posaient la question aussi, tu vois, et ils n'ont pas la chance d'avoir SharePlayer en anglais. Non. Donc, Pas encore, pas encore. ils n'avaient pas forcément d'infos. Donc, non, tu as beaucoup de déconvenues, mais au final, ça fait partie du jeu, Yannick. C'est la vie, elle est comme ça, tu vois. Tu Bien l'as sûr. là avec nos fans, on l'a avec nos amis, on apprend tous les jours, on fait Les des erreurs. enfants, les chiens. Au final, tu y consacres combien de temps par jour? Moi, 10 heures par jour. Toujours au jeu ou à l'univers des... À l'univers. D'accord. À l'univers. Toujours autant à l'univers, bien sûr. Bien sûr. Parce que je suis bien dedans, en fait, tu vois. Bien Je suis sûr. bien dedans, et puis du coup, tu peaufines, quoi, tu vois. Tu peaufines ton univers, tu réfléchis, tu le fais lire, tu récupères des retours, et t'explores d'autres choses. Parce que, au bout du bout, les gens qui créent les univers, je pense, à tous ces gens qui créent des univers, Les artistes. les artistes, eh bien, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, en fait, souffre du manque d'artistes, en fait, création d'univers. Aujourd'hui, on est dans des applications de modèles. Regarde Far Cry, tu vois, c'est une application de Ouais, modèle. c'est l'application d'un modèle, d'une recette et sans. Recette. Sans inventivité, alors qu'en plus il y avait vraiment la place de Bien sûr. proposer au moins d'un point de vue écriture, narration et critique. Moi, c'est un petit peu ce que je reproche aujourd'hui aux jeux vidéo, c'est-à-dire que plus je vieillis, plus tu avances dans la vie, forcément tu t'abreuves d'œuvres, de livres, de séries, de films, etc.
Et j'ai l'impression que mon jeu vidéo n'arrive pas à mûrir. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais Far Cry 5 n'a jamais eu la vocation d'avoir un message politisé, etc. J'ai jamais, je suis bien conscient que Ubisoft nous a jamais dit, les gars, on va vous faire un jeu politique. Par contre, ils nous mettent quand même sous le nez, vu le contexte politique actuel particulier aux États-Unis, vu l'élection de Trump, vu l'électorat de Trump, l'électorat caricatural de Trump, c'est vrai qu'on a vraiment tout nous laissé penser, et je sais pas ce que t'en penses, Nico, que Far Cry 5 allait nous proposer une vraie critique de cette Amérique, peut-être que je qualifierais de très à droite, très conservatrice, très puritaine, qui pourrait tomber dans des extrêmes de violence au nom justement de certaines idéologies religieuses. Ça permettait aussi de faire un contre-pied à, tiens, extrémisme religieux égale Daesh et islam radical, etc., qu'il y a des extrêmes religieux dans toutes les religions. Là, Bien c'était pas sûr. forcément une religion. Enfin, c'était. La secte n'est pas forcément montrée comme catholique, mais enfin, on comprend bien que c'est des gens de ce mouvement religieux-là qui sont dans Far Cry 5. Et encore une fois, c'est une question de maturité, c'est-à-dire que, bah, tiens, non, on va pas rentrer sur ce terrain-là, on va faire les choses, on va laisser un penser, on va mettre une façade dessus, puis derrière, en fait, les gens, ils se rendent compte que, bah, enfin, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une écriture qui est très, très plate, très convenue, très presque enfantine, j'ai envie de dire. Bien sûr. C'est manichéen, les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, et puis ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, et puis on est gentil parce qu'on est gentil. Le truc qu'il y Et a, c'est que tu as peut-être. Le jeu vidéo, c'est toujours cette envie simple, aujourd'hui, je pense, de nourrir une tranche de joueurs de la même chose. On en a souvent parlé, mais le tir, la violence, la compétition. La compétition, l'achievement, le tir. Regarde tous ces Battle Royale qui sont en train d'exploser, c'est quoi? C'est simplement des jeux qui nous mettent en compétition les uns les autres, dans des surfaces énormes, avec plein d'armes, on peut tout tirer, tout casser. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que pour beaucoup d'éditeurs, le jeu vidéo rapporte énormément d'argent de ce point de vue-là. Dès que tu essayes de le rendre un peu plus complexe, un peu plus intelligent, un peu plus recherché, au final, ça ne fait qu'alourdir la facture. Ça ne fait qu'alourdir au final bien le sûr. budget de la production et ça n'apportera rien Non, dans non, les sales. mais alors, ouais, mais Et c'est ça la après, merde. je suis complètement. Mais ça, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Battle Royale, à mon avis, on va en bouffer Ah oui. jusqu'à ce que un autre Fortnite, un autre PUBG qui sont sortis de nulle part ou presque arrive. Et quelque part, moi, je suis pas du tout. J'en parlais avec Eve dans le précédent podcast, mais. PUBG, j'ai pas réussi, et Fortnite, j'essaie toujours de comprendre, donc ça, c'est un petit le côté vieux con. Mais c'est quelque part bien, j'ai envie de dire, que des jeux qui sortent de nulle part arrivent à marcher. C'est-à-dire que quand est-ce que les gros éditeurs vont se rendre compte que leur vieux modèle, même s'ils sont rentables, eh ben, s'ils veulent le prochain gros succès, c'est aussi à eux d'innover. Je vais reprendre Far Cry, la formule, c'est un copier-coller et en plus aseptisé et dénué des fois de substance des précédents opus. Avec un monde qui est certes grand, mais c'est un copier-coller, c'est les mêmes arbres, Ouais. les mêmes, enfin, il n'y a même pas de vallée. Rentabiliser les assets. Mais c'est des assets c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de neige, il n'y a même pas, tu vois, il y a une rivière, de l'arbre et de la colline et de prairies. Avec un monde organique qui est tellement surfait qu'il en perd en crédibilité. C'est-à-dire que. À vouloir impérativement te montrer que, ah tiens, le chacal peut attaquer le pauvre dindon et l'ours peut aller attaquer des hommes, que ça arrive toutes les 2 secondes et ça perd en spontanéité. C'est comme si tous les jours c'était Noël, en fait. Au bout d'un mois, t'en es ras-le-bol. Enfin, tu vois, Ah ouais. il y a ce côté-là de vouloir. Après, malheureusement, les chiffres leur donnent raison. Moi, je serais curieux. Moi, je pense que la répercussion de la déception des gens, parce que au test que j'ai proposé hier, je ne sais pas combien de messages que j'ai eu. Je suis d'accord avec toi, je suis dégoûté, je me suis senti trahi par la presse. Enfin, j'ai rarement eu autant de messages pas de sympathie, mais de contestation vis-à-vis justement de ce modèle uniforme. À mon avis, Far Cry 6, s'il y en a un, va bouffer. Au même titre que les Assassins ont mis du temps, tu sais, il y a un effet de Ouais, bien synergie. sûr. Syndicate était bien meilleur que Unity, il s'est beaucoup moins bien vendu. Syndicate était un Assassin's Creed très particulier, mais sympa. Alors, what the fuck, avec du grappin dans le Londres Victoria, mais c'est
à jouer, c'était quand même, d'un point de vue vraiment jeu vidéo et même narratif, c'était beaucoup mieux que cette histoire d'amour à la con mal écrite avec une infiltration mal calibrée d'Unity. Mais justement, quand je vois le plaisir que j'ai pris à faire Rime, quand je vois le plaisir que j'ai pris à faire What Remains of Edith Finch, qui a remporté un prix la semaine dernière, et donc je suis très fier pour eux. Quand je vois tu vois, le plaisir que tu as des fois à découvrir des jeux comme ça, et c'est pas forcément parce qu'ils sont low budget, c'est-à-dire qu'il y a une autre proposition narrative, ou même, prenons un gros truc, The Last Guardian, hein, qui était, voilà. Ouais. Prenons ce jeu-là, qui est pas exempt de défauts. Alors moi Bien j'ai eu sûr. beaucoup de chance, j'ai pas eu trop de problèmes techniques, mais je sais que Roman, pourtant il a une tolérance plus élevée que moi d'habitude, je sais même pas s'il est allé au bout. Mais le simple fait de proposer autre chose, d'un point de vue artistique, d'un point de vue des mécaniques de jeu, Tout à de fait. l'histoire, de la façon dont Bien le jeu est sûr. écrit. Je vais prendre aussi Brothers, tu vois, qui était Magnifique. un jeu de Joseph Fares, contrairement à vous pouvez retrouver le test très rigolo qu'on a fait avec Roman justement sur A Way Out, qui est vraiment, là encore, je ne comprends pas comment la presse a pu s'extasier devant un nanar pareil. C'est absolument Écoute, aberrant. je l'ai pas fait, mais je suis tombé, que je n'avais jamais vu sur son apparition au VGA avec Geoff Keighley. Est-ce que tu l'as vu ce truc? Non, 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 j'ai pas vu. Il faut que tu la voyes parce que je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi défoncé en live. Il dit c'est le meilleur jeu du monde. Il craque, Ok. je elle est mortelle la vidéo. Je Non, non, pense mais que les auditeurs, là, les chers players, tu vois. ils Ah non, ont mais dû la voir, ils vont me dire dans les commentaires, mais c'est quoi cette cher blague vidéo? playiste. Attends, cher playeriste ou cher playiste, je sais plus. Putain, faut que je vous retrouve la dénomination exacte. Mais en tout cas, non, mais tu vois, un jeu avec des ficelles aussi grosses, aussi. C'est, tu vois, J'ai pas fait, donc je sais pas. le milieu carcéral, quand tu as eu des œuvres comme Oz, comme. Enfin. Même Prison Break, ça paraît bien écrit à côté, tu vois. Et Même la première Prison saison, elle Break. était vachement bien, Prison Non, Break. oui, la première saison est bien, mais je te parle même des mauvaises saisons de Prison Break, quoi, tu vois. Ah Parce que d'accord, ok. tu vois, t'as. C'est pire que les mauvaises saisons? Ouais, parce que Prison Break, c'était bien quand c'était en prison, et après, quand ils sont dehors, ça devient du n'importe quoi, tu vois. Ouais, c'est... Mais là, c'est un peu le même mécanisme, sauf que c'est déjà mal écrit en prison, tu vois. Enfin, le jeu est mal écrit du début jusqu'à la fin, et les Merde. Et comment ça interactions. se fait qu'il y a eu autant de... Il a reçu autant de super critiques, quoi. Mais parce que les gens étaient contents, je pense, étaient contents d'avoir un jeu où tu jouais à deux. Avec Roman, on s'est bien marré. Pourquoi? Parce qu'on était à deux sur le même jeu. Mais globalement, quand on s'est dit, mais l'intérêt de Brothers, tu sais, tu jouais chacun avec un stick, enfin, si tu jouais seul, mais Ouais. il y avait vraiment quelque chose, un côté interactif entre tes deux mains, chaque main représentait un frère, et tu racontais l'histoire comme ça. Là, on te fait faire des trucs. Si c'était une IA, c'était pareil, en fait. Tiens, va. Si tu veux, c'est du prétexte constamment. Il y a rarement vraiment des moments où le gameplay, il te sublime, tu vois. Et c'est souvent du QTE à la con. Il y a pas d'inventivité. Tout est c'est du heavy, en fait c'est un Heavy Rain à deux globalement, D'accord. mal écrit et pas très beau. Donc non, mais c'est dommage parce que pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas beaucoup avancé sur le livre parce que j'ai pas envie, tu vois, de me spoiler le jeu. Tu vois, et Roman, il est dans le même cas, tu vois, on s'est dit putain, mais putain, on est validé, c'est un peu le dilemme, tu vois, parce que je me dis si je fais ça, après le jour où je vais découvrir le jeu, parce que moi à la base c'est un jeu, tu vois, pour moi les saisons du Ouais, bien paradis, sûr. c'est mais de ce que je connais de l'histoire, parce qu'on a quand même beaucoup échangé, et le bouquin, j'ai quand même lu un bon tiers, donc j'ai quand même la substance du truc. Je me dis, c'est vraiment un jeu auquel j'aurais envie de croire. Tu vois, parce que, après, ça ne veut pas dire que ça sera un bon jeu. Ça ne veut pas dire que manette en main, Oui, ça, je tu vois, ça, m'éclaterai. c'est, on sent que ce sera qu'à la fin, hein. Non, Qu'il non, y en ait une mousse. mais globalement, le postulat de base, tu vois, d'avoir un jeu qui a un vrai message, parce que enfin, on connaît Oui. tes positions écologistes sur Ah, je m'en cache ton pas, rapport hein, vis-à-vis de la politique et tout, mort. je me Ton cache pas tout message ça. politique, etc., c'est des choses qui sont de notoriété publique, et je vous invite à d'autres émissions, notamment celle de la violence qui avait fait polémique Putain, oui, je m'en en souviens, oui, interne, et effectivement. que tu vois les vestes qui se retournent après, ça fait assez rire. Ça nous fait rire C'était jeune, mais c'est meilleur. pas très grave, quoi. Enfin, Mais c'est ce que, oui, j'ai pu personne n'est dupe, comprendre. hein, personne n'est dupe. Et du coup, non, mais ça permet de bien cerner qui tu es, et les valeurs que je pense que tu veux insuffler dans ton jeu. Et c'est des choses, moi, qui m'intéressent, parce que tu vois, là, je suis super excité de jouer à un God of War, et je m'attends à du grand spectacle hollywoodien. Apparemment, manette en main, c'est même sympa à jouer et tout. Par contre, derrière, ça reste un jeu à la troisième Ah, de toute façon, personne. les premiers au monde qui y joueront, ce sera vous. Ah non, ça c'est clair, ouais. Ouais, j'espère, Voilà, ça enfin. c'est clair. Ça c'est Mais clair, tu vois. Je vois déjà mon PR, mon presse relation en train de gueuler.
Mais D'accord. voilà, c'est tout, tu vois, Non, c'est non, mais comme ça. alors justement, peut-être pour... Est-ce que justement, tu peux nous parler du gameplay du jeu, des mécaniques de jeu? Ouais, Est-ce que c'est quelque chose bien qui est sûr. défini un petit peu? Parce Oui. qu'on a reçu beaucoup de demandes là-dessus. Bien sûr. Alors, concernant le jeu en soi, donc vous jouez le garçon et le chien. Donc les deux personnages sont jouables ensemble, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez switcher à n'importe quel moment entre le garçon et le chien. Quand vous jouez le garçon, une IA prend le chien. Quand vous jouez le chien, une IA prend le garçon. D'accord. OK? Tout le jeu est basé sur un puzzle solving à travers leurs habilités. C'est-à-dire que le garçon est autiste et en étant autiste, il a des capacités au-delà de la normale. Ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais au-delà de la normale, Comme de l'hypothétique normale. certains autistes Comme peuvent certains avoir, autistes. évidemment. Voilà, sur des Et ça, je fais une compréhensions. parenthèse, mais là encore... Comme c'est beau de pouvoir donner de la visibilité à une minorité qui, jusqu'à preuve du contraire, n'en a quasiment pas dans le médium du jeu vidéo, les handicapés, enfin les autistes Oui, bah moi, c'était ma volonté. Je sais que ça ne plaît pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit la merde. Il y a des Moi, je gens qui trouve ont ça trouvé beau. ça très touchant. Encore une fois, le jeu ne se vend pas, il ne se vend pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois ce que je veux dire? On le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on y croit. Et parce qu'on a envie d'essayer de faire quelque chose d'un petit Et peu j'ai juste différent. une question comme ça, pourquoi est-ce que parce que c'est le syndrome d'Asperger, si je me D'Asperger. donc c'est une forme d'autisme, hein, c'est ça? Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est par Parce rapport que j'ai à... côtoyé quelqu'un dans ma vie, D'accord. qui ça m'a marqué. D'accord. Et j'avais envie de raconter ce que je voyais un peu de lui et de lui, comment il vivait un peu, comment il Ouais. vivait les choses, en fait. Donc, du coup, voilà, cette envie, Non, elle non, est mais venue de là. c'est beau parce que c'est quelque chose, au lieu de se moquer, etc. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, encore une fois, quel jeu on peut compter sur les doigts d'une main, les jeux qui mettent en scène ben, les autistes ou les handicapés, par exemple. Enfin, c'est aussi beau. Et bon, après, c'est bien parce que ça permet justement de donner une explication, entre guillemets, aux habiletés du garçon. Bien Mais sûr, c'est cool parce que ça va permettre, justement, ça permet des petits éléments de gameplay qui sont très intéressants, notamment Non, mais si ça permet sur de les puzzle sensibiliser les gens solving. aussi, parce Oui. que moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens se plaignent toujours de la société, du système, de Macron, de ce que vous voulez, machin truc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de perso que je vais dire. Mais si vous voulez faire quelque chose, ben, pas loin de chez vous, vous avez sûrement des hôpitaux où il y a des enfants malades, des personnes âgées qui sont seules. Il y Des a, il y a associations, des tout à fait. associations qui aident ben, les SDF, les migrants. Si vous n'aimez pas les migrants, malheureusement, il y en a. Il y a des animaux, etc. Donc, si vous voulez rendre le monde un peu meilleur, ben, il y a des choses à faire. Et justement, si le jeu permet de sensibiliser même ne serait-ce que 10 personnes à la cause, Oui. enfin, parce que c'est des pathologies qui restent assez méconnues d'un point de vue médical, parce que, comme pour beaucoup, hein, tant qu'il n'y a Tout pas à beaucoup de fait. pognon à faire, ben les Oui. laboratoires s'en foutent un petit peu, évidemment. Puis c'est des choses qui sont génétiques, donc c'est sur d'autres terrains. Mais si ça permet d'aider, que 10 acheteurs du jeu se disent, ah, tiens, je vais aider d'une façon ou d'une autre cette Ben, en cause-là. fait, on a souhaité, c'était une de mes volontés de base. En fait, on a choisi deux associations, Ah oui, j'allais te demander. une association sur l'autisme et une association sur la protection des animaux et Bravo. environnementale. Elles seront révélées à la fin, en fait, de nos problèmes et elles nous suivent dans les démarches, dans ce qu'on veut faire. Donc, il y a vraiment cette Ah notion ben aussi ça c'est magnifique. Je me suis dit, importante. enfin j'allais te le suggérer en off, mais voilà, donc bon, j'ai rien à Ouais, suggérer du coup. ça on l'a fait. Voilà, c'est encore une C'était vraiment fois. une envie. Donc il y a un vrai militantisme dans ce jeu. Et donc pour revenir au Ouais. gameplay, donc c'est un jeu qui se joue à la troisième personne, Troisième personne. un peu Tout la à fait. caméra à la Donc Mario 64, on va voilà, c'est dire. très très libre. C'est très proche d'un Caméra Zelda, libre. dans son caméra libre, dans un Zelda. Donc vraiment, vous balader, explorer. C'est vraiment, vraiment basé sur l'aventure. Il y a très peu de confrontations. Je peux pas vraiment vous révéler tout à fait les confrontations, mais pour vous donner une idée, il y a un ennemi qui prend différentes apparences en fonction des régions, des endroits, et vous allez pouvoir soit le confronter, vous confronter à lui de façon directe ou indirecte par du puzzle solving. C'est-à-dire que vous D'accord. rentrez dans une zone de forêt ou ce genre de truc, vous allez vous observer, vous allez trouver que là, il y a un pont à tel endroit. Et ce pont, ben, il faut le refabriquer pour passer de l'autre côté. Et puis après, il y a un truc à casser pour pouvoir créer un piège, pour pouvoir attirer la bête.
et après trouver une solution pour monter assez haut pour tomber sur son dos. Tout est Tout à est, c'est base. vraiment une base de puzzle, en fait, C'est un globalement. adventure puzzle solving. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce qui est Trouver un un objet, Zelda, le machin un truc. Rhyme, sans le système de combat. Ouais, ça, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à Rhyme, dit comme ça, si dans l'esprit, on va dire. Tout à fait. En fait, nous, c'était la direction que l'on avait envie. Il y a aussi, donc, comme je vous disais, cette particularité unique, c'est vraiment entre le garçon et le chien. C'est que tout ce que vous faites, vous avez besoin des deux. Et j'ai une question là-dessus, Nico, si je peux me Oui. permettre. C'est-à-dire que j'imagine que pour éviter les problèmes d'IA, c'est-à-dire que tu switches de personnage, mais quand l'autre, par exemple, si tu prends le petit garçon, le chien, il va pas faire grand-chose en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment toi qui va contrôler les deux à tour de rôle pour pouvoir avancer. Parce que j'imagine que mettre en place une intelligence artificielle qui devinerait ce que tu as besoin de faire, ça, déjà, ça serait Alors, déséquilibrer le jeu et ça serait peut-être compliqué en termes de programmation. en fait, on va pas, effectivement, c'est une très bonne question. On ne va pas lier ça, parce qu'effectivement, l'IA aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très complexe. Parce que moi, quand je joue, je préfère, tu vois, pouvoir contrôler mes deux personnages quand j'en ai besoin, plutôt que d'être dépendant d'une IA qui va peut-être en faire trop ou en faire pas assez. En fait, tu vas pouvoir donner des ordres à ton IA, deux ordres, très simplement, quand tu es le chien. Et je ne veux pas révéler l'inverse, Bien parce que c'est sûr. vraiment quelque chose de très très particulier. Parce qu'il y a vraiment cette connexion homme-chien, ce lien très particulier. Comment un chien peut nous commander? Bref, voilà, ça je préfère pas trop en parler, mais Comment brioche, vis-à-vis viens du expliquer aux gens garçon avec son chien, comment c'est toi qui gères la maison, quoi. t'as des ordres très simples en fait. Donc, avec voilà, va chercher, reste. Et par contre, quand tu n'enclenches pas ces commandes, on a une concentration très particulière sur les animations Oui. du chien pour lui donner l'impression qu'il est extrêmement intelligent pour pallier à l'IA. Donc, pour nous, le plus grand des challenges a été de garder la dynamique, entre le garçon et le chien pour que ce ne soit pas un jeu de swapping tout le temps, en fait. Ouais. Pour que ce soit vraiment swapping. Et encore une fois, on réfléchit à donner la possibilité aux joueurs de créer une sensibilité entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont jouer plus le chien ou plus le garçon, et ça aura un impact, en fait. Ça aura un D'accord. impact sur l'histoire. C'est Et ben marrant tu. parce qu'on parlait de Brothers, mais est-ce que ça vous a influencé? Parce que là, quelque... Sûr, Ouais. bien sûr. Ok. Brother, c'est une totale réussite. Ça nous a influencé en fait dans le ton, pas dans le gameplay, parce qu'on n'a absolument rien à voir, Oui, mais bien dans le sûr. ton, dans l'envie, dans la direction, bien Dans la sûr. complicité entre les deux personnages qui drive un petit peu justement l'histoire, etc., quoi. Oui, qu'il n'y ait pas de sidekick en fait, que les deux soient à égaux. Ok, ça c'est Ça a ça qui été est très, cool. très. C'est ce que Ça a j'allais te été beaucoup demander parce que plus dur. c'est dans les jeux où Oui. justement il y a ça, il y en a forcément un qui devient le Un sidekick. sidekick. Après, Et ça, nous, c'est apparemment vraiment ce qu'on veut. dans God of War, c'est très bien implémenté et ça marche très bien, mais il y a beaucoup de jeux où ça devient accessoire. Et là, Bah, parce que c'est compliqué, et puis des fois ça vaut pas le coup. Nous, on est prêt à vraiment prendre du temps, à se prendre la tête pour que ça vaille le coup, parce que bah, c'est quand même Annie, ça reste mon chien, donc du coup il faut vraiment non, bien sûr, ouais. justifier. Voilà. Et puis on s'est aussi rendu compte dans les phases de playtest, les gens qui ont joué, qu'il y a un plaisir à jouer avec le chien. Le garçon, c'est comme tous les autres jeux, tu vois. Tu cours, tu sautes, tu esquives, tu te caches. Le chien, les gens adorent. C'est très particulier, les gens prennent tout de suite la manette. Il y a vraiment une sensibilité très particulière. Et à ça, on a rajouté un layer de cette entité que vous apercevez dans le trailer. J'en parlerai pas trop en détail. Mais cette entité, en fait, elle est là pour vous aider un peu tout au long du jeu. Elle a une part, elle est plus psychique. Et elle va vous donner la possibilité de voler et de découvrir aussi la verticalité en fait du heaven, en fait, de cet endroit dans lequel vous vous réveillez. Et ça donne vraiment C'est tu des vois, ce phases de côté un jeu peu qui vont être exploration. différentes du coup. Oui, non, 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 ah, non, pas du tout. C'est pas des phases. C'est vraiment implémenté. C'est corps, donc c'est corps au jeu. D'accord. Et c'est très intéressant parce que quand on l'a présenté à Nintendo. Cette partie, en fait, c'est ce qui a retenu leur attention tout de suite.
Il y a des gens de chez Nintendo et Noah qui jouent au truc, ils disent putain, c'est génial. NCA, quand ils sont venus, ils ont joué, ils ont trouvé ça génial. Et Breath of the Wild n'était pas sorti. N'avait même pas été montré, on n'avait même pas vu le paravoile et tout ça, on ne savait pas du tout. Et c'est après qu'on a dit putain, mais je comprends pourquoi ça les a touchés et tout, parce qu'en fait, eux, ils l'ont fait. Ils le font très très bien. Nous, ce sera plus un glider qu'un paravoile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le diriger, le glider. Un glider, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme imaginez quelqu'un qui vous tire. D'accord, ouais. Et donc, au lieu de jouer le garçon et le chien, à ce moment-là, tu joues cette entité en fait qui va les tirer, leur permettre d'accéder à des zones, et tout ça de façon très organisée. Comme du wakeboard. Exactement. Est-ce que... Parce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui fait du wakeboard, non? Ouais, exactement. Ah, c'est pour ça ou pas? Ah, Un peu, voilà, quoi. on a des envies, tu vois, on a des envies, on trouve ça super On cool. le salue, on le salue. C'était dans les envies. Ok. Et ça a tout de suite très bien marché. C'est vraiment les deux corps éléments de jeu, le switch et le glide, qui font en fait le jeu. Après, l'histoire, tout ça, c'est chouette, mais c'est pas du jeu, c'est le jeu vidéo, d'accord, mais le corps, c'est le glide et le switch. Et c'est ce qui nous permet en fait de créer cet univers, cette liberté, de donner un maximum de liberté aux joueurs. En tout cas, dans son expert, maintenant, on a pas mal de problèmes techniques à résoudre, parce que ben, ça reste très très compliqué. Il y a plein de choses qui sont compliquées. Alors là, techniquement, il faudrait le meilleur des scénarios et le pire des scénarios. Le meilleur des scénarios, ça serait qu'il y ait quand même un éditeur qui arrive et Ouais, bien sûr. Ouais. qui vous donne carte blanche, mais tout en vous donnant des moyens supplémentaires pour travailler, quoi. Oui, pour pouvoir vraiment peaufiner le jeu, déjà bien le continuer, le terminer, le peaufiner, ce serait fantastique, c'est clair. Si quelqu'un entrait, ce serait top. Et puis sinon, eh bien, nous avec le temps, quoi. Nous avec le temps. Je veux Ouais, dire, vous tu n'êtes pas vois, pressé de avec toute le temps. façon, donc... Non, bah non, on a pas de structure à faire tourner. On est tous libres. On est tous libres. On est tous super occupés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on c'est sur notre temps libre, on peaufine, on prend du plaisir. On se pose les bonnes questions, tiens ça, on met de côté, peut-être que ça marchera, ça marche pas, bon c'est pas grave, on réessaye. On n'est pas dans une dynamique de stress comme on a pu l'être, ou comme Et puis beaucoup d'autres. l'avantage aujourd'hui, c'est que les architectures étant maintenant... Enfin, c'est beaucoup de x86 ou enfin tu vois des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu peux développer un truc et c'est pas comme si tu développais pour une PS3 et qu'une PS4 arrive et faut tout reprendre de zéro, etc. Exactement. C'est-à-dire que c'est C'est des pas du tout le cas. architectures, enfin tu développes sur PC sur des moteurs qui seront toujours compatibles avec ce qui arrive derrière, donc c'est pas du temps perdu. Donc tu peux prendre ton temps pour faire ton truc et Tout à fait. objectivement tu penses que vous allez y arriver comme ça tout seul? Écoute, je peux rien dire, mais on a un plan très particulier qui, je l'espère, va nous permettre d'aboutir. Ah, celui où tu captures Shigeru Miyamoto, Non, celui-là, ouais. non, 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 Mimi, on va le laisser tranquille, mais on a un objectif qui va nous permettre. Je ne peux pas encore le révéler. Tout ce Ah que oui, je peux vous il faut dire, qu'on c'est fasse que une partie 3 à cette émission, quoi. cette année, allez, si tout va bien cette année, on vous révélera ce plan. Si tout va bien cette année, on pourra vous le révéler. Ouais, Voilà. en tout cas, c'est un beau projet, mais ça montre toute la difficulté aujourd'hui. C'est ce qu'on le pointait du doigt dans l'émission sur les indés qui sera peut-être diffusée avant cette émission. C'est toute la difficulté d'exister, en fait. C'est la difficulté d'exister aujourd'hui quand tu fais un jeu qui est plus ambitieux que le pixel art en 2D qui va être distribué sur Steam. Et qui n'a pas la chance d'être chapeauté par un éditeur qui veut sa caution petit jeu sympa cas d'école 2. Unravel quoi. Voilà. Donc c'est Exact. après il y a peut-être un éditeur un jour qui va dire tiens nous on a besoin de notre quota de jeux sympas tiens on vous prend et faites votre truc tu vois C'est pour ça ça. qu'on continue, tu vois, on continue, et puis ça vient, ça vient, Et ça vient pas, ça vient pas. le crowdfunding donc faire un Kickstarter ou quoi On l'a envisagé sérieusement. On l'a envisagé sérieusement. Et on a initié le mouvement, ça n'a pas pris en interne.
Donc, il y avait une partie qui n'était pas d'accord, une partie qui était d'accord, une partie qui ne savait pas. Et on a dit, on ne demandera rien aux joueurs. On va le faire nous-mêmes, ou un éditeur vient nous aider, on ne va rien demander aux joueurs. On pourrait le faire, vraiment, je pense aujourd'hui qu'on pourrait le faire, parce qu'aux États-Unis, on a énormément de soutien, en France, il y a quand même beaucoup de soutien. On pourrait faire quelque chose, mais c'est pas comme ça que C'est pas on... la philosophie du Non, projet, non, c'est ça. non, c'est pas la philosophie du projet. Ça se trouve sur autre chose, on pourrait, mais sur les saisons du paradis, c'est pas la philosophie. Vraiment pas la Puis philosophie. ça devient compliqué aujourd'hui de faire des kicks des financements Oui, parce que en plus, ça devient compliqué, et puis on... il y a eu tellement de mauvais Ouais. exemples, des Mighty No. 9 et compagnie, Ouais. que je pense que les gens, enfin même Et Shenmue 3, tu vois, on enfin. demanderait, tu vois, on pourrait pas demander 200 000 euros, ça suffirait pas du tout. Donc, faut demander des Parce sommes qui sont quand même assez qu'aujourd'hui, conséquentes. aujourd'hui, c'est une question de. Tu parlais de 2 millions d'euros. Si demain, il y a un philanthrope qui nous écoute et qui dit, mais moi, je mets 2 Ouais. millions d'euros, ça vous aiderait vraiment? C'est-à-dire que ça vous permettrait de structurer, de travailler Ah H24 ben, ensemble en... H24 ensemble, le jeu est fini, quoi. Le jeu est fini. Le jeu a le budget pour être fini. Le budget pourrait être fini Intégral. avec une sortie Totalement. en 2000, fin Avec une 2019. sortie. Mi-2019, allez. Fin Non. 2019. Noël 2019. Noël 2019. Donc ça Et serait donc si non mais si nous, jamais on il y a est dans les bons temps. des On est dans les bons temps. Que tu sortes en Noël 2019 ou Noël 2020, le pic de la Switch n'est pas du tout atteint. Son pic, c'est 2019-2020. Ça va être un pic énorme. Donc, je peux un petit peu en parler. Ça va être énorme. Pourquoi? Parce que cette année, on est dans l'année. de transition. L'année deuxième année de transition, c'est-à-dire que la première année a servi à installer la machine avec des licences fortes. La deuxième année, c'est une année où on met sur le marché des jeux déjà existants qui ont pas marché ou peu marché. On rentabilise, Où on la on met dans le engrange cul de un ceux qui ont acheté la maximum. Switch, en fait. Voilà, on annonce cette année, vous annoncez des très gros jeux, c'est Non, indéniable. à moi, fin d'année, Smash et Animal Crossing, allez. Et là, c'est Ouais. gagné. C'est clair, et Et je pense que Pokémon Pokémon. sera aussi annoncé cette année. Metroid, on aura une visibilité aussi cette année. L'année prochaine va être une Qui c'est qui année le fait Metroid, du 2019. coup? On a eu le fin mot de l'histoire? Bah, c'est Namco. Ah, c'est oui, c'est Namco C'est Bandai. une partie de Namco Bandai qui fait Metroid, qui a fait les protos de base. Après, je ne sais pas tout à Retro fait. Studio, ils font quoi alors? Ils font autre chose. Retro Studio font autre chose. Toi, tu sais ce qu'ils Retro font. font autre chose. Pas tout à fait. Je n'aurais pas la prétention de dire parce que c'est quand même toujours très secret. Mais j'ai un gros doute. Je pense qu'ils ont oui, quelque chose dans les tuyaux. Mais je préférerais rien dire. Si je sais, je le dis. Quand je ne sais pas, je préfère rien dire. Parce que tu D'accord. vois, des conneries, tu vois ce que je veux dire. Bon. Est-ce qu'un jour on Et... aura F-Zero? Allez vite, oui ou non? Bien sûr qu'on aura F-Zero Ah, un ok. jour. Bien sûr qu'on aura F-Zero un jour. Je vais donner une anecdote que j'ai eue avec un gars de chez Nintendo, le responsable business USA. On le pitchait, machin, puis je lui dis, bon, si vous voulez pas de Season of Heaven, on vous fait Wave Race. On fait 1080. Et il me disait, je reçois au moins 15 pitchs par semaine de ces jeux. Tu m'étonnes. En fait, beaucoup d'éditeurs veulent faire du jeu Nintendo, veulent pitcher le nouveau Wave Race 1080, machin, compagnie. Donc, ces jeux reviendront. Faut pas se leurrer, ils reviendront tous. Regardez, on a eu Shenmue 2, 1 et 2, là, qui sont portés, tu vois. Tout revient. Bon, on est d'accord, quoi. Minimum guerre syndicale. Mais moi, c'est alors je vais en parler, mais combien vont déchanter? Parce que on est combien à avoir acheté chez nous quand il est sorti? Donc moi, je peux lever la main, effectivement. Moi, pareil, les deux. Les deux mains, donc c'était super quand c'est sorti parce que ça n'existait pas, ça, les mondes ouverts où tu peux faire plein de trucs. Depuis, il y a deux jeux qui sont sortis, il y a GTA et Yakuza. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends Shenmue, c'est trop old school en fait. C'est-à-dire que le jeu vidéo ne vieillit pas de façon harmonieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux brancher ta Super C'est pas comme NES. un, ouais, c'est pas comme un vinyle, c'est pas comme un, tu vois ce que je veux dire, Non, non, comme tu dis, c'est pas harmonieux, c'est assez dégueu, quoi. mais c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui vont mieux vieillir que d'autres. Et des jeux Super Nintendo, pour moi, vieillissent mieux que les jeux 64. Je dis pas au Oui, point de vue voilà. gameplay, mais au point de vue de la prise en main, par exemple. Parce qu'un Oui, jeu oui. 2D reste un jeu 2D. Et donc, la 2D, on l'a maîtrisée dès Tout les à années fait. 90. La 3D a été maîtrisée parfaitement d'un point de avec des standards acceptables après la Dreamcast.
techniquement. Donc aujourd'hui, revenir sur un jeu comme Shenmue, ça va être très compliqué pour beaucoup en termes de gameplay. Alors ils ont Bien prévu des sûr. niveaux contrôle très bien, mais en termes de rythme, en termes de narration, en termes de phase de jeu, il y a beaucoup qui vont trouver ça indigent. Et aujourd'hui, reprendre Shenmue, moi je l'ai refait il y a quelques années. Ça a été un peu douloureux en fait, il faut être honnête, ça a été un peu douloureux. C'est pas une partie de plaisir parce que la grande folie de l'époque, c'était d'avoir un jeu aussi ambitieux, qui était aussi novateur sur des choses qui ne sont plus. La nouveauté n'existe plus aujourd'hui pour les gens qui vont le Tout à fait. découvrir. Donc Oui. si t'as pas la nouveauté, bah, tu perds une grande partie du truc. C'est pour ça que Après. je pense que, tu vois, bon, Sega suit le théorème d'Augusto, comme tu as dit. Ils ont annoncé la version Switch, et là, la version Switch arrivera, bien évidemment, elle sera annoncée dans un Nintendo Direct. De ce qu'on Oui, nous parce a qu'enfin, dit, les rapports entre Sega et Nintendo Nintendo veut. sont tellement bons qu'il n'y a aucune raison de pas Voilà. l'annoncer. Et Nintendo veut, en fait, donner de la visibilité globalement à chaque jeu qui arrive sur la console. C'est-à-dire que quand Okami a été annoncé sur PS4 et sur Xbox One, on a eu un trailer sur Twitter, un communiqué de presse, c'était réglé. Quand il a été annoncé dans le Nintendo Direct, Nintendo veut le mettre en avant, juste parler de sa version. Vraiment, il y a une volonté de prendre son temps, de gonfler la librairie petit à petit. C'est souvent trop lent pour une majorité des joueurs, c'est vrai. Mais je doute des ventes PS4 et One de Shenmue 1 et 2. Ça, c'est. Je pense que la Switch fera des largement meilleures ventes. Je pense, non, mais Confirme. c'est la version One va pas se vendre. Mais version PS4, quand même, je pense que c'est la console la plus. La Les chances qui plus. ont une PS4, à part une petite élite de joueurs, ça ne marchera pas. Les gens ne viennent pas acheter ça. Par contre, sur Switch, tu as un gros public de joueurs qui achètent, tu sais, ces jeux indépendants sur le store, et ils achètent tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu des chiffres, des jeux, tu dis, c'est pas possible, comment ils ont fait pour en vendre 50 000 de streamers? Je sais pas. Je sais pas. Après, enfin, moi, nous aussi, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, je ne joue qu'à la. Enfin, c'est le cas extrême. Je ne joue qu'à la Switch. Tout le reste, ça vaut rien. Vive. Bon, il faut pas tomber dans les extrêmes non plus. Je serais curieux, tu sais de quoi, de voir comment Street Fighter 30th Anniversary Collection va se ventiler. Moi, je pense que sur Switch, il fait le double des Mais je Switch. suis curieux. Moi, je sais qu'ils en ont Avec un deux. parc installé, une machine deux fois Deux fois plus bas que la inférieur. Xbox et quatre fois que celui de la PS4. Ouais. Trois fois Alors moi je le PS4. prends, je l'ai pris, j'ai eu la. J'étais en bagnole en plus. Sur Pixel Sur Love? Pix and Love, Tu peux aussi? j'ai pris sur PS4 parce que je le Oh vendais. Non, non! mais je le prends sur Moi, je suis PS4 mon gars. pour y jouer sérieux au stick et tout, et pour y jouer partout en Switch en démat. Ah, t'as pris les deux, toi. Ah, t'es un cochon. Ah bien sûr que je prends les deux. Si je m'écoutais, Ah non, ouais. je le prends sur PS4 en version physique et en Switch en version dématérialisée pour l'avoir tout le temps. Eh Moi, j'ai oui. pris sur Switch. Est-ce que j'ai commandé le stick, un gros stick aussi arcade sur Switch? Et ouais, Rien. c'est un Mais truc c'est qu'il faut surtout pour avoir. pouvoir y jouer n'importe où, en fait. C'est surtout ça, C'est quoi. ça, C'est oui, ce que bien je vais sûr, jouer n'importe où. c'est jouer à Street 3 partout, ça a pas de Ah prix, quoi. là Ça, là là là. c'est. J'espère que C'est bientôt, hein. Netco. Ouais, ça arrive bientôt, au 30 mai. C'est le jeu que j'attends le plus cette année. Enfin, ça prouve l'excitation de cette année de jeu. Bon, pour T'inquiète, le finir 3 va être là. sur les saisons du paradis, Oui. puisqu'il est 19 h et que on s'était Tout à fixé fait. cette heure-là, je crois que pour une fois dans l'histoire de la chaîne, on va C'est bien. respecter plus ou moins ça, quoi. Donc voilà, donc c'est un projet qui existe toujours, mais Tout à qui fait. subit malheureusement la réalité de manquer d'un financement et qui tient sur les épaules de passionnés qui essayent de mener à bien un projet par eux-mêmes. Donc voilà, ça. Alors peut-être que certains jubileront, ouais, je vous l'avais dit, machin truc, et peut-être que certains continueront d'y croire. Moi, j'y crois toujours, de toute façon, parce que je pense que c'est un projet qui peut aboutir. Après, y a pas, comme t'as pas de pression, en fait, c'est le meilleur. C'est un peu comme nous sur la chaîne, il n'y a pas de pression derrière, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que c'est confortable, c'est-à-dire que t'as pas de garantie, mais ça tient qu'à toi. Donc finalement, tu peux le sortir dans 4 ans, tu t'en fous. Une fois que ton jeu il est sorti, t'es allé au bout de ton truc, et un bon jeu reste un bon jeu. Donc je pense Exactement. que voilà, c'est, puis voilà, il y a quand même une idée de base qui est, enfin, un scénario de base, je pense, qui est assez novateur, parce on parlait de tes valeurs, que moi je considère de belles valeurs en termes d'écologie, de respect de certaines causes, etc., des choses qu'on aimerait voir un peu plus dans le jeu vidéo.
Après, il y a un système de jeu qui a l'air intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a peut-être pas suffisamment de jeux qui, comme Rime, proposent un peu de l'exploration, un côté un peu aventure, puzzle, etc. C'est des choses qui m'avaient beaucoup plu dans Rime et que j'aimerais bien retrouver un peu plus souvent, voilà, dans le jeu vidéo. C'est vrai, on parlait l'autre jour de Myst avec Eve, c'était un jeu énorme, Ouais, parce que c'était un jeu à ambiance et tout, tu vois, bien c'est... sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, voilà, c'est très compliqué d'avoir des jeux qui sortent du Serail. Et surtout, il y en a beaucoup sur Steam, mais c'est difficile déjà quand t'as pas de PC, c'est pas facile. Et surtout de savoir lesquels. Ouais, je parlais du jeu de roller, j'aurais pu passer à côté de ce jeu-là. Et je sais qu'on passe sûrement à côté de plein de jeux. Et nous, on est content, en tout cas, de mettre les saisons du paradis en avant sur la chaîne. En En tout attendant, cas, merci à vous. vous pouvez vous procurer le bouquin, donc Les Hein. Ouais. Saisons du Et le Paradis. livre ne spoile pas, hein, au cas où, ne spoile pas Ne le jeu, spoile pas le parce jeu. que. Ne spoile pas le jeu. D'accord, donc Alors, il y a des éléments en commun, bien évidemment, mais ne spoile pas le jeu. on peut qu'on Roman et moi pouvons lire le bouquin cet été tranquillement. Faut que je vous donne, je vous enverrai la version finale, et peut-être qu'on fera gagner quelques livres, sur la Ah, sur la chaîne. chaîne, mais oui, pourquoi pas, Ouais. ça. Quand je les recevrai, je ne sais pas quand est-ce que je vais les Bah, recevoir, quand mais tu en les tout cas. reçois, on fera une émission qui parlera sur un truc plus light, comme on a bien rigolé la dernière fois, etc. Et on fera gagner quelques livres des Saisons du Paradis tranquillement. Donc vous pouvez déjà le précommander sur Amazon. Donc c'est la version Sur dans la Fnac et Cultura. la Fnac et Cultura, c'est la version la Definitive Edition, on va dire, pour prendre le terme Définitive du. édition, Bon, exactement. les vrais, ils ont la première version. Et puis. Exactement. Et voilà, donc ça sort le 5 juin, donc pile Tout pour à l'été. fait. Ça sort le 5 juin, et puis je fais deux conférences, une à Nice et une à Toulouse au mois de juin, au mois de juillet, où je vais faire rencontres avec le public, D'accord. dédicaces et Il tout faudra ça. d'ailleurs qu'on voit pour C'est peut-être sur le je site peux. lesaisonsduparadis.com, hein, de toute façon, Ouais. sur l'onglet conférences. Donc voilà, et Voilà, nous on si vous en avez. essaiera quand tu viens à Nice que tu viennes peut-être un ou deux jours avant, histoire qu'on puisse Ah ben bah, profiter un oui, bien petit sûr. peu voilà, de tout ça. Donc oui, en tout cas, ouais, tous les chers playlists qui sont des Alpes-Maritimes, voire de la région PACA, ben, venez au moins à la conférence de Nice, même si c'est pas le thème, c'est du jeu vidéo, mais il y aura Nico, je serai sûrement là, et ça permettra de se retrouver un petit peu ensemble, et Exactement. on amène le Switch, et Papoter et on se tout fait un ça. gros tournoi de Street Fighter sur Switch après, quoi, donc... C'est bon ça. Ça Ça, peut être c'est pas mal, ça bon. serait bien que. Je sais pas quand est-ce que. Si Roman pourrait, mais ça serait bien qu'il descende Ah, ça avant serait d'avoir des nouvelles obligations familiales qui lui tombent dessus. Donc voilà, c'est. bien, ouais. On pense à lui d'ailleurs. On pense un gros cœur sur Roman. Et voilà, donc. Bon, ben, c'était. Merci à Nico d'avoir choisi les chers players. Donc. Parce que tu es un peu comme D'Artagnan, hein, tu es tellement souvent là que tu es un peu le membre officieux C'est vrai. de la chaîne. Et puis non mais ce qui est beau, c'est qu'en plus, blague à part, grâce à ça, on est devenus amis. Ça, c'est le plus beau cadeau, tu Ouais, vois. c'est Tout le cool. reste, Franchement, c'est marrant. c'est génial, tu vois. Après, d'appeler les gens et de même plus parler de jeux vidéo, Dieu, c'est plus, tiens, Ouais, comment bien va le sûr. bébé? Comment va le chien? Comment ça va toi? C'est ça. Non, mais ça, le plus beau, c'est l'aventure humaine qu'il y a derrière. Après, que ça C'est clair. aboutisse ou Ce qui compte, pas. c'est le chemin. C'est Exactement, le c'est le voyage, comme chemin. on dit, hein. Exactement. Donc, bon, nous, on est content, en tout cas, de t'accompagner à notre manière sur ce chemin. Donc, Merci encore à vous. Merci aux chers playeristes. ouais, cher playeriste. Ouais, cher playiste, cher playeriste. On peut dire les deux, en tout cas, c'est Ouais. iste à la fin. Parce que tout le monde dit os, cher playos. Ouais, Mais Twittos, moi, je sais pas, j'ai préféré Cher Playerist, ça fait un peu plus secte, tu vois. J'étais un peu dans la c'est vrai. période C'est pas Far mal. Cry, quoi. C'est vraiment ça, le culte, tu vois. Tout le monde d'avoir sa petite statue de Roman avec le crâne chauve et lustrer le crâne tous les soirs, ouais, c'est un peu ça. Donc, ouais, merci à toute la communauté, en tout cas, n'hésitez pas à soutenir le projet en vous procurant le livre, c'est parce qu'en plus, c'est un livre, j'ai lu que le tiers, hein, mais le tiers que j'ai lu est très sympa, c'est une thématique rafraîchissante avec une grosse emphase sur l'environnement, sur la prise de conscience du monde qui nous entoure, de la mort, de plein de thèmes qui sont, je pense, importants aujourd'hui, et ça sort le 5 juin, donc ça serait parfait pour l'été. Sortez de chez vous, allez vous promener, prenez un bouquin et une pomme et éclatez-vous, une bouteille d'eau. Grave. Achetez, prenez des animaux à la SPA qui sont en demande d'affection, De maison. comme ça vous faites une bonne action et puis vous... vous
verrez que d'avoir un animal à la maison, ça vous permet de sortir de chez vous et de faire plein de choses. Donc voilà. Donc c'est cool. On a plein de belles valeurs en cette fin d'émission. Nico, nous, on reste en off 2 secondes, on débrief et Ça marche. on fait un bisou à tous les auditeurs et tous ceux qui nous ont regardés. On te retrouve aussi sur ta chaîne YouTube, hein, Nico et Mariana, c'est ça? Ouais, C'est exactement. Nico le. Mariana, vous la trouvez sur YouTube. Ouais. Voilà, vous la Plein de trouvez. sujets paranormaux, de meurtres, Ouais, etc. Quoi, donc, exactement. Exactement. et donc abonnez-vous à la chaîne de Nico, à notre chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux, @NicoWav pour Nico, @TheSharePlayers pour nous. On répond plus sur Twitter que sur Facebook, parce que le gestionnaire de page Facebook, c'est une catastrophe. Catastrophe. Ah Mais c'est que c'était vachement bien avant, et maintenant, genre ouais. quand tu as une Non, c'est une. notif, Facebook de l'appli, tu réponds, ça répond avec ton nom propre. Et moi, j'ai pas envie de Ouais. répondre avec mon nom propre, j'ai envie de répondre avec le nom des Share Players. Donc on s'excuse pour la communauté Facebook, mais on n'est plus présent sur Twitter. On essaye quand même, enfin j'essaye puisque Roman n'a pas Facebook, de répondre à tout le monde. Et si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nico les lira ou je lui transmettrai. Bien sûr. Et puis voilà, donc Je les lirai. Aujourd'hui, je suis un peu plus sur YouTube, donc je t'as plus pourrai plus de d'habitude maintenant, quoi. temps. Ouais, ouais. Sur les Ok. vidéos, moi, désolé. En tout cas, on embrasse fort toutes les communautés, parce que Nico, tu Ouais. relaieras aussi l'émission sur ta commu, comme ça, les gens de ta Bien sûr. commu qui aiment, de ta communauté qui aiment le jeu vidéo, bah, découvriront le podcast de jeux vidéo le plus cool et le plus détendu de la blogosphère, de podcastosphère française. Et voilà, comme ça. Et puis nous, tous ceux qui aiment un peu le paranormal, les ovnis, les histoires un peu chelou, un peu dark, peuvent aller sur ta chaîne. On recommande Exactement. chaudement, en tout cas. Voilà, comme ça, la Merci. communauté se mélange. Merci à tous. Passez une bonne Merci à soirée. tous, les amis. Allez, salut, Merci. ciao, ciao.